bienvenue, Cédric Lapiche. Merci d'être à Montréal, merci d'être à l'INIS. 10 longs métrages depuis 1991, 10 longs métrages de fiction que vous avez écrits, produits dans certains cas aussi, réalisés évidemment. Un documentaire sur la danse. Vous êtes également photographe. Effectivement. Vous faites toujours de la photo de... Oui, en fait, j'en ai toujours fait de façon amateur et ça commence à devenir professionnel que maintenant. Ah bon? Oui. OK. Bizarrement. Donc, le syndrome de la page blanche, le chômage, c'est pas quelque chose qui va... ça l'a été au début, mais... donc, ça fait effectivement 10 films en 20 ans, donc facile à calculer, j'en ai fait un tous les deux ans. Mais en fait, c'est assez irrégulier parce qu'il y a eu, des films, j'ai mis 5 ans à faire. Il y a eu, là par exemple, Chacun cherche son chat, je l'ai fait en même temps qu'Un air de famille. Donc, il y a eu des parcours parfois un peu chaotiques dans les 20 ans. Si vous le permettez, on va faire un petit rappel de votre filmographie pour que les gens voient. Alors, je prends mes papiers, mes lunettes, on lit. Alors, ça débute en 1991, donc, avec votre premier long métrage qui s'intitule « Rien du tout ». C'est un film qui tourne en dérision la communication d'entreprise. Un premier film assez ambitieux, il y a beaucoup de comédiens. Ouais. Et on a Fabrice Luchini qui... il débutait à ce moment-là ou... Disons que Fabrice Luchini, il a commencé il y a longtemps avec Romer, je pense. Ah oui, c'est vrai. Juste avant mon film, il y avait eu La Discrète, qui était un film qui avait beaucoup marché. Oui. Et donc, c'était un peu le renouveau, disons, de Luchini en France. Okay. Ah, c'est ça, on l'a perdu un peu. En 1995, vous faites Le Péril jeune avec Romain Duris. On va en voir un extrait tout à l'heure. C'est la première fois que ses premiers pas à l'écran, ses premiers pas. L'année suivante, donc, Le Péril jeune, l'année suivante, en 1996, Chacun cherche son chat, qu'on a vu, on va en parler tout à l'heure. Toujours en 1996, là, c'est Un air de famille. César du meilleur scénario, adapté de la pièce, évidemment, de Jaoui et Bakri. 1999, on change de registre. Là, on s'en va avec un film d'anticipation, un film qui s'appelle Peut-être, avec toujours Romain Duris et Jean-Paul Belmondo. 2002, retour à la comédie sociale avec L'Auberge espagnole, qui fait plus de 3 millions d'entrées quand même en France. Donc, c'est un vrai succès populaire, plus de 12 millions de recettes à travers le monde. 2003, on change de registre à nouveau et là, on a un film de gangster. Ni pour ni contre, bien au contraire. On revient en 2005 avec la suite de L'Auberge espagnole, Les poupées russes, qui réunit à peu près la même brochette de comédiens. En 2008, c'est Paris, avec un registre un petit peu plus dramatique cette fois-là, mais un film choral, toujours un film avec encore plusieurs personnages. Encore là, un gros succès public, 2 millions d'entrées en France, avec des complices de longue date, donc Fabrice Luchini, Karine Viard, Zénadine Soualem, Romain Duris encore, et Juliette Binoche cette fois-là. Vous êtes à Montréal aussi pour présenter votre nouveau film, Ma part du gâteau. On en parlera tout à l'heure. Donc, 10 longs métrages à travers lesquels vous avez réussi, malgré le fait qu'il y a eu des... Mais du fait qu'il y a eu aussi des films de genre, vous avez réussi à développer une signature très personnelle. Par exemple, moi, ce que je trouve qui ressort de vos films, c'est une espèce de justesse, évidemment, que ce soit à la fois dans les dialogues ou dans le jeu des comédiens, une justesse de ton. Il y a une sincérité. Je trouve qu'il y a une sincérité qui se dégage de vos films. Et on sent un véritable amour pour le cinéma, c'est-à-dire on sent une passion pour le cinéma. Quelquefois, il y a des gens qui font ce métier-là, où on sait que c'est pour faire partie de la machine. Mais on sent donc que vos films sont issus d'un véritable appel. Comment tout ça a commencé? Comment s'est développée cette passion pour le cinéma? Bon, alors, d'une part, moi, j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait des études de cinéma d'abord à Paris. J'ai fait une maîtrise de cinéma et donc j'ai beaucoup regardé des films, j'ai beaucoup étudié des films pendant deux ans quand j'avais 21-22 ans. Et puis je suis parti deux ans aux États-Unis faire une école de cinéma à New York University. C'est pendant ces deux années-là que j'ai vraiment appris à faire des films.
je me suis beaucoup intéressé à l'écriture des scénarios, à la direction d'acteurs. C'est quand même les deux choses que j'ai eu l'impression d'apprendre à New York. Avant, donc, je faisais beaucoup de photos. Donc disons que le côté visuel, c'était ce qui m'intéressait le plus avant. Puis j'avais vraiment des lacunes par rapport à la narration, par rapport au jeu des acteurs. J'ai eu l'impression qu'il fallait que j'apprenne des milliards de choses par rapport à ça. Et ce qui s'est passé en revenant à Paris après New York, c'est que... déjà, j'ai essayé de trouver du travail, j'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai passé vraiment une année assez terrible en revenant. J'ai essayé d'être assistant réalisateur, j'ai jamais réussi. J'ai finalement réussi à travailler pour des films d'entreprise. Donc, je faisais des scénarios, j'aidais des gens à faire des vidéos d'entreprise. Et puis, j'ai trouvé du travail comme électricien, parce que comme je connaissais un peu la lumière, les éclairages et tout ça, j'ai commencé à travailler comme électricien. Et là, pendant 2 ans, j'ai travaillé comme électricien sur des tournages de longs métrages. Donc, ça m'a permis de voir d'autres réalisateurs travailler. Et en parallèle, j'essayais de monter un court métrage. J'ai fait un truc qui a été assez important pour la suite, c'est que avec 2 amis réalisateurs, on a animé ce qu'on appelait l'atelier informel. On appelait des jeunes réalisateurs, des jeunes acteurs. On était 3 jeunes réalisateurs et on demandait à des jeunes acteurs de venir et puis on essayait des choses. C'est-à-dire qu'on écrivait des textes, on les faisait improviser des trucs. On essayait de voir qu'est-ce que c'est la différence quand on a la première prise ou quand on travaille 3 semaines d'affilée le même texte et que les gens répètent. Et qu'est-ce que c'est la différence entre être très frais, très spontané sur un texte ou au contraire le travailler beaucoup. Donc ça a été assez important pour moi d'avoir justement ce côté très informel avec des acteurs, avec des gens qui sont devenus connus par la suite, quoi, parce que c'était forcément... ils avaient notre âge, mais après ils ont vieilli. Donc il y a eu Valérie Lemercier, Sandrine Kiberlin, Zindine Soualem, je l'ai beaucoup rencontré à ce moment-là. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont passés par cet atelier et ça nous a permis de découvrir vraiment plein de choses par rapport au jeu d'acteur. Et puis de voir le fait de voir d'autres réalisateurs, comment eux ils dirigeaient les acteurs, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne voit jamais quand on est soi-même réalisateur, on est toujours dans une relation très en vase clos. Donc, ça a été très utile. Donc tout ça pour dire que il y a eu un long moment comme ça où finalement ce qui m'intéressait c'était de fouiller ce qui se passait dans les relations humaines, parce que que ce soit la narration, que ce soit la direction d'acteur, c'est beaucoup des interactions humaines. Et donc ça m'a beaucoup aidé pour l'écriture du scénario et pour le travail avec les acteurs. Ça a été vraiment très très important de faire cet atelier. Ça a dû durer 1 an et demi. On se voyait une fois par semaine pendant 4 heures. Donc chaque réalisateur, on était 3, on amenait chacun 2 personnes. Donc il y avait 6 acteurs à chaque séance. Et ça a été vraiment très très utile, quoi. Le fait que ce soit... il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de projet. Enfin, c'était vraiment pour qu'on travaille sans but. Ça a été vachement utile. Donc il y a eu ça. Et puis... pour revenir sur ce que vous disiez sur la sincérité, alors je saute un peu les étapes, mais quand j'ai fait mon 2e film, quand j'ai fait le Péril jeune, j'ai écrit avec des copains de lycée, ce que je devais écrire, donc l'histoire d'un lycée dans les années 70. C'était un téléfilm pour Arte, le Péril jeune. Et donc on s'est dit, voilà, on était au lycée ensemble, on va essayer de chercher une histoire qui raconte un peu ce que ça voulait dire 1975 pour nous au lycée. Et puis, on se remémorait des choses sur nos copains de lycée et tout ça. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé pendant l'écriture de ce scénario-là, où je me souviens qu'on a mis 1 mois à écrire le scénario, ça, c'était super ramassé, on n'avait pas le temps, c'était un téléfilm, il fallait aller vite et tout ça. Puis à la fin du mois, on avait nos 100 pages, quoi. Et on s'est dit... on a relu notre truc, on s'est dit, bon, c'est pas forcément super intéressant. Mais au moins, on a été sincères. Je me souviens quand c'était dit ça, j'en avais fini. Yeah. Et on avait l'impression que ça racontait rien, quoi. Parce que ça racontait un quotidien de lycéen. Et c'est très troublant quand on voit après ce qui s'est passé avec ce film, parce que ça a été vraiment un film important, en tout cas en France. C'est pas un film qui s'est exporté beaucoup, mais en France, ça a été vraiment un film qui s'est colporté beaucoup en DVD, qui est sorti au cinéma après être passé sur Arte. Donc il y a eu une histoire importante avec ce film.
Et je pense que le succès du film, c'était la sincérité. C'est le fait que le film n'a aucun truc d'éclat. C'est le contraire du cinéma hollywoodien, je dirais, ce film-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas d'histoire totalement dingue. C'est que des histoires super quotidiennes. Mais il y a quelque chose dans la sincérité du propos qui a créé du cinéma. Enfin, j'ai vu à quel point ça pouvait fabriquer du cinéma, ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours servi après coup. Et pour résumer, voilà, il y a eu à la fois un parcours universitaire, il y a eu cet atelier avec des acteurs et des amis réalisateurs, et puis ce film, Le Péril Jeune, qui a suivi Rien du tout. Comme vous avez dit, Rien du tout, c'était un film extrêmement ambitieux et certainement beaucoup trop difficile pour moi en tant que premier film. Donc, j'ai beaucoup souffert en faisant ce film. Et j'ai eu l'impression que c'était plus léger, Le Péril Jeune, et que ça a été le vrai départ, c'était Le Péril Jeune, en fait. J'ai l'impression que vous parlez de vos études aux États-Unis. Vous avez dit quelque part que vous avez désappris des choses. Vous avez été obligé de désapprendre parce que la vision là-bas était différente. Oui, c'était. En fait, c'est troublant parce que moi, j'ai fait Hippocagne-Cagne en France. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire que c'est des études supérieures littéraires. Donc. J'avais des cours de philo, enfin j'étais spécialisé en philo, en histoire, en anglais, en littérature française. Donc c'est très très intello, c'est beaucoup sur l'analyse. Et ensuite quand j'ai fait donc, cette maîtrise de cinéma, à la fac c'est pareil, on analysait des films, on étudiait l'histoire du cinéma, on n'était que dans l'analyse de contenu. Donc que ce soit en littérature, en philo, ou ensuite quand j'ai fait des analyses de films, il y avait le fait de prendre un poème de Baudelaire, un roman de Proust ou, je sais pas, Citizen Kane d'Orson Welles, et puis de disséquer ça, de voir qu'est-ce qui était signifiant là-dedans. Et en fait, après, quand je me suis retrouvé à NYU et qu'il fallait que j'écrive un scénario, c'était le contraire. Au lieu de disséquer quelque chose qui existe déjà, il fallait que moi, j'invente quelque chose. Et je ne pouvais pas juste appliquer des grilles d'analyse. Donc la création, j'ai compris que la création, c'est l'opposé de l'analyse, quoi. Donc, j'ai vu à quel point il fallait faire marcher son cerveau à l'envers. Et donc, il a fallu désapprendre. Et parce que j'ai vu à quel point là, la critique et l'analyse sont contradictoires avec la création. Il y a quelque chose dans la création où il faut se laisser aller, il faut se libérer. Il ne faut pas être dans la dissection, comme on peut l'être dans l'analyse. Donc, d'une certaine façon, il ne faut pas trop faire marcher son intellect. Et c'était compliqué d'apprendre qu'il fallait se laisser aller, qu'il ne fallait pas réfléchir, qu'il fallait faire, et qu'il fallait laisser parler l'inconscient plutôt que de faire parler ce qui est conscient, la partie consciente. Quoi. Donc, oui, il a fallu désapprendre ce que j'avais appris à l'université, disons, le travail intellectuel. C'est-à-dire que pour moi, le travail de la fabrication d'un film, la création, ça n'est pas intellectuel, ça se passe pas complètement au même endroit dans le cerveau. Si on parlait de vos influences, ça va de Fellini, Altman, Scorsese. Oui, alors c'est vrai que quand j'étais dans cette école à New York, il y avait des choses qui étaient proches de moi. J'aimais beaucoup les films noirs américains, donc du coup j'avais fait un court-métrage dans les exercices d'école qui était lié à ça. Ça s'est retrouvé ensuite dans Ni pour ni contre, bien au contraire, où j'ai eu besoin d'utiliser ce que je savais sur les films noirs. En fait, la raison pour laquelle je suis parti aux États-Unis, c'est que je me sentais assez mal à l'aise avec le cinéma français. Donc les influences que j'avais, c'était Hitchcock, c'était Fritz Lang, c'était Woody Allen, c'était Fellini, c'était que des gens qui étaient étrangers, donc c'était pas forcément que du cinéma américain, mais c'était beaucoup ailleurs. C'était Milos Forman, moi j'aimais beaucoup Volo-tu des nids de coucou, même si c'est du cinéma américain, Forman, c'est quand même quelqu'un qui est tchèque. Et dans les premiers films qu'il a fait aux États-Unis, dans Taking Off, dans Volo-tu des nids de coucou, on sent plus sa partie tchèque. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez les premiers films qu'il a fait, Au feu les pompiers ou L'As de pique, je crois que ça s'appelle. C'est des films qui sont assez importants pour moi. Et donc, ouais, Fellini aussi, c'est quelqu'un d'important. Kurosawa, c'est quelqu'un d'important. Donc, ça peut être des gens très différents, parce qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre Woody Allen et Kurosawa, par exemple. Mais c'est des gens
qui m'ont marqué quelque part. Je pense que tous ont des choses à dire sur l'humanité. Je pense que Kurosawa, c'est quelqu'un qui est vraiment un cinéaste de l'humanité. Forman aussi, Woody Allen aussi, mais chacun d'une autre façon, avec sa culture propre. Et puis j'ai compris au fur et à mesure, justement parce que mes influences étaient très diverses, que ce qui est important, c'est le langage d'une personne. C'est-à-dire que Kurosawa, il est très japonais, Almodovar, il est très espagnol, Woody Allen, il est très, même pas américain, il est très new-yorkais. Et que chacun a une personnalité absolument unique, c'est-à-dire que Woody Allen ne ressemble à personne aux États-Unis. Et que du coup, souvent, le cinéma, c'est ça, c'est l'œuvre d'une personne, c'est le regard d'une personne. Donc il y a un moment, j'ai compris qu'il fallait que moi, je fabrique mon regard. On revient à la sincérité dont on parlait. On revient à la sincérité. C'est le fait que finalement, si on est sincère, ben, on parle avec son langage à soi, et son langage à soi, personne ne peut vous l'apprendre d'une certaine façon. Et si je vais plus loin, alors là c'est pareil, je fais un espèce de flash forward, au fur et à mesure des films, j'ai appris à parler avec mon langage, certainement là où je l'ai affirmé, c'est peut-être dans Chacun cherche son chat, puis ensuite dans L'auberge espagnole, où finalement, si j'analyse ce que sont ces films, c'est exactement l'opposé de ce qu'on m'a appris à l'école de cinéma. C'est-à-dire que tous les défauts que j'avais d'être assez brouillon, de pas être académique dans la façon de filmer, eh ben quand je me suis permis de ne pas être académique, quand je me suis permis d'être brouillon, ça a fabriqué ce cinéma-là et ça a été finalement ma signature. Donc, mais j'aurais pas pu faire ces films-là en premier film. C'est-à-dire qu'il a fallu passer par un apprentissage. Exactement, j'avais vu ça au musée Picasso à Barcelone. Les premières années, il copie les anciens, c'est-à-dire qu'il copie Léonard de Vinci, il copie les œuvres classiques italiennes ou la Renaissance. Et puis, à un moment, il lâche le truc. Il commence par le cubisme, ça commence par la période bleue, il commence à déformer des choses. Et puis après, il y a le cubisme, après, il y a les Demoiselles d'Avignon. Et puis après, il y a Guernica, où là, il se permet de se libérer complètement des influences et tout ça. Mais ça ne peut pas se faire la première année. Ça se fait au bout de 10 ans, ça se fait au bout de 5 ans. Il y a un chemin pour aller vers soi, bizarrement. On ne peut pas être soi-même directement. Tout de suite. Vous ne parlez pas de Truffaut dans vos influences. Vu de l'extérieur comme ça, on peut quand même faire certaines corrélations. Aussi influencé. Donc, les cinéastes américains dont vous avez parlé ont été influencés par la Nouvelle Vague, par Truffaut particulièrement. Non, c'est sûr que les gens comme Woody Allen, comme Scorsese, on voit à quel point Mean Streets est directement influencé par Godard, par Truffaut, par tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague. C'est vrai assez tardivement d'ailleurs, parce que Cassavetes aussi, parce que... Donc c'est très visible de voir comment la Nouvelle Vague française fabrique une façon de voir, une façon de filmer, et que moi, à la limite, je suis plus sensible à comment les Américains qui ont été sensibles à la Nouvelle Vague... C'est drôle de voir à quel point, effectivement, des gens comme ça... Parce que c'est vrai que Cassavetes aussi, ça a été quelqu'un d'important pour moi, parce que Cassavetes, c'est vraiment... Il y a une façon de travailler avec les acteurs, et puis il a inventé un style, et ensuite, quand on fait des choses comme ça, on passe derrière, quoi. Mais je pense que Altman aussi, qui est quelqu'un d'important pour moi, parce que vous parliez des films de groupe et des films... Ouais. Ce qu'on appelle le film choral, pour moi, c'est l'inventeur du film choral. Il y a des antécédents, Griffith, il a toujours fait des films avec plein de gens et tout, mais il y en a eu d'autres après. Mais pour moi, celui qui invente le film avec plein de personnages, c'est vraiment Altman dans les années 70, où il y a plusieurs exemples. Pour moi, les meilleurs, c'est Nashville et Shortcuts. C'est deux films qui inventent un genre cinématographique. C'est vraiment, et je pense que derrière, tous les gens comme Iñárritu, les gens comme Tarantino, les gens comme Paul Thomas Anderson sont des enfants d'Altman. Donc, Magnolia, par exemple. Magnolia, c'est vraiment issu de ce langage-là. Donc, pour moi, il a vraiment inventé quelque chose de fort. Et Altman lui-même, je pense que c'est un enfant de la Nouvelle Vague française, sur la façon de libérer la narration, de ne pas suivre un film et d'en suivre plusieurs. Donc, les influences, il y a un moment où elles sont multiples. Parce que Tarantino, par exemple, quand il fait ça,
Je ne sais pas si vous connaissez Rashomon de Kurosawa. Ouais. Reservoir Dogs est une application directe de Rashomon. Donc il y a vraiment différentes façons d'intégrer les influences. Et au Reservoir Dogs, sciemment, il se réfère à Godin, il se réfère à des choses assez précises de la Nouvelle Vague. Mais il y a aussi des œuvres plus classiques comme Rashomon, où là, Rashomon, il y a un récit vu par trois personnes. Donc on voit trois fois la même histoire racontée par trois personnes différentes, qui est exactement le principe de structure narrative dans Reservoir Dogs. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à observer dans comment les influences finalement voyagent dans l'histoire du cinéma. Le scénario, c'est quelque chose qui, d'emblée, c'était clair que vous alliez écrire vos propres scénarios ou travailler avec des collaborateurs. Dès le départ, vous saviez que vous alliez écrire vos propres histoires? Non, parce que justement, quand j'étais à l'école à NYU, c'était mon point faible. Raconter une histoire, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, que c'était trop dur, et que j'étais trop loin de ça. J'avais une vraie connaissance visuelle de la lumière, même du son. Je ne sais pas pourquoi, j'étais très sensible. C'était assez inné pour moi. Même le montage, j'étais assez fort au montage directement. Et je sentais que j'étais très, très loin de savoir écrire une histoire. Quoi. Et même si j'avais fait des études littéraires, je pouvais écrire une dissertation, mais encore une fois, ça n'avait rien à voir avec... À New York, il y avait des cours de scénarisation? Oui, il y avait des cours de scénario, okay. Et justement, ils étaient assez forts là-dessus. Et par contre, alors moi, je n'étais pas fort. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que je n'y arrivais pas, que je n'y arriverais jamais. Donc, j'étais vraiment en rade avec ça. Quoi. Donc, et je vois, ça a pris du temps. C'est-à-dire que quand j'ai écrit rien du tout... J'ai passé 3 ans à écrire le scénario, ça a été ultra pénible. Donc, mon premier long métrage, c'était super dur. C'est-à-dire que j'ai appris à écrire des longs métrages, donc un court métrage, je veux dire. Un court métrage, c'est 10 pages, 20 pages. Et puis, j'avais l'impression d'avoir un peu maîtrisé ça. Et quand je me suis lancé dans l'écriture d'un long métrage où il fallait écrire 100, 120 pages, là, j'ai eu l'impression que c'était encore autre chose. C'est le sprinter qui veut devenir marathonien. Exactement. Il y a quelque chose qui n'est pas la même chose. Parce que le long métrage, c'est la maîtrise de la durée, vraiment. C'est-à-dire que c'est pas 3 scènes, c'est 100 scènes. Et du coup, c'est le passage de l'une à l'autre et tout ça. Et c'est, pour moi, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à apprendre. Et ça s'est fait sur plusieurs films. Et donc, rien du tout. Je me suis associé avec Jackie Berroyer, qui était un journaliste de Charlie Hebdo qui avait déjà écrit un scénario, qui m'a aidé, qui a vraiment aidé à structurer, parce que j'étais perdu, j'avais travaillé un an seul et puis je ne savais plus où j'en étais. Et donc il a vraiment recollé les morceaux du truc, il a vraiment structuré le récit. Et puis ensuite, il y a eu ce travail avec mes deux amis de lycée. Donc l'un était devenu scénariste, Santiago Amigorena, depuis il est devenu réalisateur. Et puis Alexis Galmot, qui lui était romancier, disons. Et donc eux, le fait que je travaille avec des scénaristes comme ça, ça m'apportait vraiment ce que je ne savais pas faire. Enfin, il y avait vraiment, en tout cas, Santiago Amigorena apportait vraiment un travail de structuration du récit dans Le Péril Jeune. On s'est un peu inspiré de Broadway Danny Rose, de Woody Allen. Dans Broadway Danny Rose, il y a plusieurs personnes qui se réunissent à une table et puis ils se racontent le personnage de Broadway Danny Rose. Donc on a fait le même système avec Tomasi dans Le Péril Jeune, où plusieurs personnes se remémorent quelqu'un qui est mort. Et donc là, Et ça fonctionne parce que dès le départ, on suit le film puis on se demande qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fabrique une sorte de suspense. Exactement, ouais. Exactement. Et donc ça a été très important pour moi de travailler avec ces gens-là. Ils m'ont vraiment appris à structurer une façon d'écrire, une façon de structurer... une heure et demie de film. Et ensuite, il y a eu... en parallèle, Chacun cherche son chat et Un air de famille. Mais il y a eu d'abord Un air de famille. C'est-à-dire qu'Un air de famille... Ah, c'est... Ouais, en fait, j'ai d'abord écrit l'adaptation d'Un air de famille et ensuite j'ai réalisé Chacun cherche son chat. C'est quelque chose qu'on vous a proposé, on est venu vous voir. On est venu me voir et donc c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre que les acteurs jouaient depuis 9 mois. Et c'était un texte ultra bien écrit. À l'époque, ils avaient déjà gagné un César du scénario, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Après coup, ils en ont gagné 4 autres. Et j'avoue, je pense qu'il n'y a jamais eu, pour moi, à part peut-être, comment il s'appelle, le poète qui a travaillé avec Carnet.
Prévert. Ouais. Pour les dialogues. Voilà, pour les dialogues, je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs scénaristes en France. C'est-à-dire que vraiment, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui sont parmi les meilleurs scénaristes qu'on a eus dans l'histoire du cinéma français. Mmh. Et le fait que je travaille pendant 4 mois, tous les jours avec eux à écrire cette adaptation, j'ai eu l'impression de faire un stage, quoi. Mmh. J'ai vraiment appris à mort des choses que je n'avais pas encore appris, ni à l'école, ni avec mes copains scénaristes, ni avec Jelki Berroyer. Et j'ai eu l'impression là de comprendre des choses et ça m'a libéré suffisamment pour que je me permette d'écrire seul. Donc je pense que quand j'ai fait Chacun sert son chat, qui est le premier film que j'ai écrit seul, c'est parce que ça m'a libéré, disons, par rapport à l'écriture. Okay. Je me suis permis d'écrire seul. Okay. Et c'est par rapport à ce truc de la narration où c'était tellement compliqué pour moi que j'avais l'impression, oui, que c'était inabordable. Et puis finalement, Chacun cherche son chat, c'est le film où je me suis dit, on n'est pas obligé d'écrire à la virgule près, je peux inventer des choses au dernier moment. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais meilleur quand j'écrivais une scène au dernier moment. Il y a des scènes écrites 10 minutes avant qu'on les tourne dans le film. J'ai été super loin dans le fait de... Il n'y a pratiquement pas d'improvisation dans le film, mais moi, j'improvisais l'écriture. C'était de l'écriture... très souvent, j'écris la nuit pour le lendemain. Très souvent... Enfin, s'il y avait de l'improvisation avec Madame René, avec la vieille dame, parce que j'ai compris qu'elle était meilleure quand je ne lui donnais pas de texte. Donc, pour certains personnages du film, je les ai laissés improviser. Mais il y a relativement peu d'improvisation dans le film. Et par contre... je crois que j'avais 50 pages au début du tournage et j'avais 100 pages à la fin du tournage. C'est-à-dire qu'il y a eu 50 pages écrites pendant le tournage. Et l'histoire du film, elle est très bizarre. Parce qu'en fait, j'avais fait Le Péril Jeune avec des producteurs. Je fais une parenthèse par rapport à ce qu'on disait. C'est des jeunes producteurs, c'était Vertigo. Donc on avait fait Le Péril Jeune, on avait vécu vraiment une histoire très forte entre nous et on avait envie de retravailler ensemble. Et puis ils m'ont dit, voilà, j'avais un projet de court-métrage sur Paris. Ils m'ont dit, bah, pourquoi tu ne fais pas ce court-métrage et tout ça. Donc je commence à préparer le court-métrage, je rencontre des gens dans la rue. Je me dis, ça serait bien que ce soit des gens de la rue qui jouent les personnages. Je rencontre des concierges, je rencontre des SDF, je rencontre des... C'était votre quartier à vous ? Non, en fait, ce n'était pas mon quartier à moi. Okay. En fait... J'ai fait ce film avec ma script, Marie Vermillard, et avec son mari, qui est le peintre du film, Joël Brice. Eux habitaient le quartier, et en fait, j'avais habité une semaine chez eux. Donc, j'avais vu qu'il y avait un nouveau bar un peu branché par rapport à un vieux bar, qui était un bar ouvrier. Je m'étais dit, tiens, je vais structurer l'histoire avec le bar branché par rapport au bar des vieilles personnes. Je voyais que la population des deux bars, elle était très opposée. Tout ça se passait à 3 rues de distance. Je suis parti d'une vraie histoire qu'une copine designeuse m'avait racontée, qu'elle avait donné son chat à garder à une vieille dame. La vieille dame, elle avait été figurante dans mon film, donc Madame René. Qui avait été figurante dans Le Péril Jeune parce que c'était la voisine de ma script. Donc il y avait toute une espèce de choses comme ça où je me suis dit, tiens, je vais partir de ces choses que je connais et puis je vais fabriquer une histoire avec ces vraies personnes-là. Et puis, donc j'ai interviewé la vieille dame qui m'a raconté son histoire. J'ai interviewé la fille designeuse qui avait perdu son chat, qui m'a dit qu'elle avait rencontré tous les gens du quartier en perdant son chat. Et puis, je suis parti de cette vraie histoire. Et puis, je l'ai nourrie avec des gens qui pouvaient être devant la caméra. Pendant le casting, j'ai vu qui était drôle devant la caméra, grosso modo. Et puis après, par exemple, la femme qui a les cendres de son mari chez elle, quand on a été chez elle, en fait, on cherchait des lieux de tournage, donc on n'avait plus été chez elle pour trouver un appartement. Et la personne qui a été chez elle, elle m'a dit, je suis arrivé chez elle, elle m'a dit qu'il y avait son mari sur la télé, et elle a commencé à parler à son mari qui était dans la potiche, elle est complètement folle, tout ça. Je dis, ah bon ? Et du coup, je l'ai rencontrée. Et puis, effectivement, elle a été folle, et elle parlait avec les cendres de son mari. Donc, dans ce film-là, tous les gens qui faisaient peur, finalement, ils se retrouvaient toujours dans le film. Et donc là, je crois que c'est une des scènes les plus difficiles que j'ai eu à réaliser, parce que comme elle était vraiment folle, on ne savait pas du tout ce qu'elle allait dire pendant la scène. Et donc, je disais à Garance Clavel et à Zinedine Soualem, si elle parle avec son mari, tu réagis, tu dis « mais à qui vous parlez là ?» Si elle ne t'en parle pas, tu continues à dire « oui, nous, on importe la bonbonne de gaz ». Donc, je donnais 3 pistes différentes aux acteurs
de comment jouer la scène. Et puis je disais, il y a un moment, j'aimerais bien quand même aller dans la cuisine. Donc si elle te dit ça, essaye de l'amener dans la cuisine pour ça. Si elle te dit ça, tu l'amènes dans la cuisine pour ça. Et donc on avait tous des espèces de trois scénarios différents de la séquence. Et puis quand on partait, alors j'étais obligé de dire au chef-op, s'ils vont là, mets-toi là. Ouais. S'ils vont là-bas, plutôt, mets-toi là. Pour mais ça paraît, d'ailleurs, il y a un aspect très documentaire à la scène. Oui, complètement. Ouais. Donc, on est très, très intermédiaire entre du documentaire et de la fiction. Elle avait quand même un texte, la dame, parce que elle dit, puis ça, je l'ai réentendu tout à l'heure, elle dit à Zinedine, qui est, ben, le personnage, quand il s'en va, elle dit « Tu refermes la porte comme d'habitude ». Mais c'est pas vrai, c'est un détail, mais c'est un détail qui fait résonner la vérité. Oui, j'avais donné des éléments... Et par contre, c'était un peu quitte ou double de savoir si elle allait s'en souvenir parce qu'elle avait une espèce de mémoire de 3 secondes. Donc, il y a des fois, je lui avais dit un truc 3 jours plus tôt et puis ça repartait. Je lui ai dit, mais attends, je lui avais dit de ne plus le dire et elle le disait quand même. Et donc, c'était... Mais ça a fonctionné dans ce cas-là. Oui. Parce que ça ajoute à l'élément de vérité. Oui, c'est ça. Mais là, vraiment, on est très, très intermédiaire entre du documentaire et de la fiction. Ouais. Et puis alors, Zinedine Soualem, lui, c'est un acteur de théâtre. Ouais. Il avait travaillé 10 ans au Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine. Ouais. Donc, lui, il était habitué à répéter les scènes. Ça. Là, il était un peu dans le vide. Et donc, c'était des scènes assez impressionnantes à jouer parce qu'on était sans filet. Et du coup, les acteurs... Ils avaient une attention à cette personne parce que forcément tout partait de ça, quoi. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'ensuite le jeu d'acteur, j'ai compris à quel point c'est lié à l'attention, à l'instant. Comment il faut être rivé à un instant pour pouvoir bien jouer, quoi. Tout ça pour dire que ce film-là, ça devait être un court-métrage. Et puis 2 jours avant de filmer le court-métrage, il y a mon producteur qui me dit, écoute, là, ça commence à devenir un court-métrage ultra cher. Est-ce que tu veux pas plutôt faire un long-métrage? Alors, c'était une semaine avant le tournage. Et je lui dis, oui. Alors, c'était vrai que ça devenait, c'était pas un film de 5 minutes comme on en était parlé, ça devenait un court-métrage d'un quart d'heure qui tendait un peu vers les 20 minutes, quoi. Et puis, c'est vrai que Madame René me faisait vraiment marrer, que j'avais l'impression que j'étoffais à chaque fois les scènes avec elle. Tous les gens que je rencontrais, j'avais envie de les faire jouer. Donc, effectivement, Et puis, je lui ai dit, écoute, donne-moi une semaine. Si en une semaine, j'arrive à fabriquer une trame qui ressemble à un long métrage, on y va, quoi. Parce que lui, il me dit, écoute, là, franchement, si tu fais un long métrage qui me coûte comme les 20 minutes, faisons un long métrage. Oui, c'est après que vous êtes devenu producteur. Voilà, c'est ça. Donc je réfléchis, je m'enferme pendant une semaine et puis j'écris des scènes pour tous ces gens-là. C'est là où d'ailleurs le personnage du peintre est apparu parce que je me suis dit, ok, j'utilise tout ce que j'ai. C'est-à-dire que là, moi j'avais ce copain peintre, je me dis, ok, ça va être le type dont elle tombe amoureuse, qui est son voisin. Belcanto. Belcanto. J'essaye d'utiliser tout ce que j'ai. Je fais appel à des copains acteurs, Antoine Chappet. Enfin, voilà, j'essaye de faire venir des gens, la fille de la mode. Je crois que j'invente cette histoire de maquilleuse. Je mets le truc de la mode. Enfin, voilà, j'essaye d'étoffer le truc en une semaine. Et puis, on a encore une semaine derrière pour préparer tout ce que j'avais rajouté. Parce que comme on avait... C'était un tournage qui s'est fait sans voiture. C'est-à-dire qu'on était à 3 rues, quoi. Donc, tout se faisait à pied. On avait un local. Et puis... Enfin, il y avait une espèce de simplicité du tournage que j'ai jamais retrouvée après. Une sorte de kino. Ouais, c'est ça, où on pouvait improviser des choses. Voilà, il y avait cette histoire de vieille dame. On avait parlé d'une vieille dame qui se retrouvait perdue à 3 rues. Il y a toujours les flics qui la ramenaient chez elle, donc j'intègre ça. Enfin, toutes les histoires qu'on me racontait, je les mettais dans le film. Et puis j'essayais que ça ait un rapport avec l'histoire. Et donc, tout ça pour dire que quand ça passe du court-métrage au long-métrage, et donc ça se fait vraiment en 15 jours, quoi, je retrouve le premier jour du tournage et il faut que je rajoute des choses. Donc je suis toujours en train d'essayer de rajouter des choses. Je fais le contraire de ce qu'on fait d'habitude, ce que raconte Billy Wilder, où il dit j'essaie toujours de faire des scènes 2 fois plus courtes que ce que j'ai écrit. Là, moi, j'essaye de faire 2 fois plus long, quoi. Donc je suis un peu flippé parce que je me dis finalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, quoi, parce que dans l'école du cinéma, on vous dit qu'il faut toujours raccourcir, quoi. Là, je rallonge et par contre, je suis dans un état d'euphorie quand je tourne. J'ai toujours été malheureux sur Rien du tout et sur Le péril jeune parce que j'essaye de bien faire mon scénario, alors que là, je n'ai pas de scénario, donc j'essaye de bien faire rien, quoi, parce que j'essaye juste d'inventer, quoi. Et le fait que je suis dans un état d'invention sur le tournage,
En fait, je me rends compte que je suis très heureux et que je m'éclate. Et c'est le film qui m'a fait comprendre que je pouvais prendre du plaisir à faire un film, quoi. Et du coup, c'est pas dans un travail de je filme un scénario, c'est je fais un film. On invente au. Et c'est plus l'application d'un scénario. Finalement, quand je parlais du film, quand le film est sorti, je citais une phrase de Henry Moore, un sculpteur, qui disait, moi, j'avais appris la sculpture à l'école, où on m'avait appris à dessiner de trois côtés une sculpture pour pouvoir bien faire cette sculpture. Et il dit, à un moment, j'ai compris qu'une sculpture, c'est pas comment vous faites trois côtés, c'est à un moment où il n'y a pas trois côtés, il y a 1000 côtés dans une sculpture. Et donc, c'est en faisant des maquettes. Il disait, j'ai plus fait de dessin, j'ai fait des petites maquettes, et c'est à partir de ces maquettes-là que je faisais mes vraies sculptures, quoi. Et j'ai compris que le cinéma, c'était comme ça. C'est que finalement, on n'a pas besoin. Le scénario, c'est une étape littéraire qui est une étape qui est faite pour mourir, quoi. Enfin, c'est pas un but en soi. Il pourrait aller chercher des Et c'est pour succès aller aussi. chercher du cinéma. Ce qui est important, c'est le cinéma. Donc, si le scénario n'existe pas, c'est pas grave. Cassavetes, il y a eu des films qu'il a fait sans scénario. Donc ça a été vachement important pour moi de voir que faut se sentir libre avec un scénario. Et qu'il y a des gens, que moi j'en ai beaucoup parlé avec Jean-Pierre Jeunet, il est rivé à son scénario, il storyboard, il n'y a jamais un truc en plus que ce qu'il a écrit ou un truc en moins. Il y a parfois des petits ajustements qu'il fait avec les acteurs où il change un truc qui était écrit, mais il a besoin que ce soit exactement la même chose. Moi, je suis pas du tout dans le même travail que lui. Et encore une fois, c'est lié à comment. Lui, il a un langage et moi j'en ai un autre, et que du coup, on est obligé de travailler dans des sens qui sont différents. Cela dit, cette façon de travailler, vous n'avez pas pu continuer. On ne peut pas financer des films comme ça maintenant, non? À moins de faire Non, des alors films à ça très petit marchait parce que budget, c'était indépendants. un budget de court-métrage, c'est-à-dire qu'on a C'est réussi ça. à faire ce truc-là. Le film n'a absolument rien coûté. Je crois que la bande-son du film. Ensuite, au montage, quand on a rajouté Portishead, toutes les musiques qu'on a rajoutées, ça coûtait plus cher que la production du film. Donc, le film n'a rien coûté, quoi. Je crois que c'était ridicule. Mais le film Donc, n'était pas destiné aux salles. Ça. Non, ça, non, c'est oui, non, celui-là, oui, c'est vrai. c'était censé être un court-métrage. Oui. Le truc, c'est que je ne sais plus quel était le budget du film, parce que je crois que c'était tellement ridicule que. Enfin bon, ça n'a rien coûté. Je me souviens que. Parce que ça a pas mal marché en salle. Les deux films qui ont. C'était dans Variety de l'époque. Les deux films qui ont le plus. Le ratio du film par rapport au coût du film, celui qui ont le plus rapporté d'argent, c'était Le Titanic et Chacun cherche son chat. C'est-à-dire que le rapport entre le coût Ce du qu'il a film et ce qu'il avait coûté, rapporté, on était au même niveau. oui. Donc C'est c'était génial, dingue, ça. quoi. Est-ce que des gens auraient des questions sur le film, sur chacun? Quelqu'un voudrait poser une question avant d'aborder d'autres thèmes? On a quelqu'un J'imagine, ici? je connais déjà la réponse, j'imagine. La tour qui se fait démolir à Paris, pardon, excusez-moi, je recommence. La tour qui se fait démolir dans le quartier, j'imagine que ce n'était pas prévu, que vous avez été là au bon moment pour la Ouais. capter, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était un peu planifié à travers tout Non, ça? ça fait partie des choses pas planifiées. Ils étaient en train de détruire ça au bout de la rue où on filmait. Il y a un moment, ça devenait. Comme moi, je parlais du temps qui passe, du fait que la vieille dame, elle décrit le quartier qui est en changement et tout. C'était pratiquement l'image du fait que le temps passe et qu'on détruit une église et qu'ils vont construire autre chose à la place. Donc voilà, j'utilisais ça. C'était vraiment ce truc où c'était toujours entre du documentaire et de la fiction, tout le film, quoi. Il y a plein de choses comme ça dans le film. J'ai vu la fin du film tout à l'heure. Quand il y a Zindine et Garance qui viennent chez elle à la fin, on dit qu'elle est malade et tout ça. Il se trouve qu'à la fin, elle avait tellement joué de scène, la vieille dame, qu'elle est tombée malade. Et puis il y a eu un jour qui était le jour où finalement on devait tourner des scènes super importantes. Elle n'avait plus de voix. Alors, du coup, je voyais qu'on ne pouvait pas tourner les scènes qu'on avait prévues. Donc je lui dis, bon. Mets-toi dans le lit, t'es malade et ils viennent chez toi pour te donner de la soupe, pour t'aider parce que t'es malade. C'est-à-dire que j'intégrais tous les trucs que j'avais devant moi, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un accident, ça m'a servi vachement après parce que dans Paris, un jour, il fallait qu'on tourne une scène qui était raccord en plein soleil, il neigeait. Donc il y a eu le matin, il a commencé à neiger, on s'est dit, bon, on va attendre qu'il finisse de neiger. Puis là, c'était parti pour la journée qu'il neige. Puis je me suis dit, bon, bah, faisons une scène sous la neige. Puis finalement, la scène.
Ensoleillé, je ne l'ai jamais monté, et la scène sous la neige, je l'ai montée. Donc, j'ai souvent appris qu'il fallait filmer ce qu'on a sous les yeux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le côté « qu'est-ce que tu as dans ton panier ?» c'est une bonne façon de faire du cinéma, quoi. Par moment aussi, ce qu'on est obligé d'inventer sur le fait est souvent meilleur que ce qu'on avait prévu et élaboré de longue date. Alors, encore une fois, il y a des gens comme Hitchcock, comme Jean-Pierre Jeunet, il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont tellement dans la préparation qu'ils veulent filmer ce qu'ils ont écrit. Et c'est une façon de faire du cinéma. Moi, c'est vrai que j'aime bien intégrer l'imprévu. Mm-hmm. J'aime bien que ce qui n'est pas prévu devienne intéressant dans le film. D'autres questions sur avant qu'on passe à un extrait de film? Personne? Un autre exemple, pour vous citer un exemple dans Chacun cherche son chat, la scène avec les SDF dans la rue, là. Moi, j'avais prévu qu'il y avait celui qui dormait dans la rue, et il y a Zindine qui lui donne des coups de pied, là. Donc lui, c'était un acteur, entre guillemets. Mais sauf qu'on a été dans un endroit où vraiment les SDF dormaient la nuit. Et quand on a été à cet endroit, il y avait vraiment des gens qui dormaient. Donc on les a juste réveillés. Et je me suis dit, je ne me sens pas de les virer, quoi. Donc c'est leur endroit, quoi. Donc du coup, j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, voilà, je fais un film ici. Est-ce que vous voulez être dans la scène et tout ça? Je me suis rendu compte en parlant avec eux. Et ils m'ont dit ça après, d'ailleurs. Ils m'ont dit, nous, on fait la manche, on est obligé de jouer un personnage. Et en fait, ça, c'est vraiment improvisé avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler à Jamel, tout ça, et ça a été improvisé avec eux. Et cette scène, elle n'existait pas 5 minutes avant qu'on s'installe, quoi. Donc ça, c'était marrant de voir à quel point non seulement c'était improvisé, mais même le casting, il était improvisé. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui étaient dans la rue et où j'intégrais tout ce qui se passait, quoi. Donc c'était fort quand même, parce que c'était un tournage qui était flippant, parce que voilà, faire tourner des SDF, c'était un peu flippant parce qu'on se demandait ce qui allait se passer, quoi. La plupart étaient bourrés. Mais c'était excitant. Il y avait quelque chose qui se passait parce qu'on sentait que ça ne s'était pas fait avant. Et que moi, en tout cas, je ne l'avais pas fait. Et que du coup, il y avait quelque chose de différent. Je sais que c'est un film qui était important pour ça parce que... moi, ça m'a libéré, mais ça a aussi libéré d'autres réalisateurs, je sais. Aujourd'hui, vous auriez envie de faire un film dans cet esprit-là? Ouais, j'ai toujours envie de faire ça. Après, c'est vrai que là, maintenant, j'ai forgé des trucs. Là, je vais faire la suite de L'Auberge espagnole et des Poupées russes. Le prochain film que je fais, c'est ça. Je suis super content de retrouver Audrey Tautou, Romain Duris. Donc, c'est sûr qu'avec des gens comme ça, qui sont devenus, entre guillemets, des stars... je ne peux pas vraiment faire ça. Donc, suivant les films, je suis obligé de choisir un langage ou un autre. Mm-hmm. Mais par contre, c'est agréable, justement, d'avoir la possibilité de choisir quel langage j'utilise pour tel film, quoi. Par contre, je sais que c'est un des intérêts de faire la suite de L'Auberge espagnole et des Poupées russes, c'est qu'il y a une spontanéité dans cette trilogie, quoi, dans ces films-là, mm-hmm. que je suis content de retrouver. Parce que ce qui m'intéresse dans ça, c'est la spontanéité. Un petit peu plus de liberté aussi, ouais, au niveau de l'écriture. Ouais, ouais. Si vous le voulez, on va passer un extrait du Péril jeune. Ouais. Peut-être juste nous mettre un petit peu en contexte. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Mais donc, le Péril jeune devait être un téléfilm au départ. Ouais, c'est un téléfilm pour Arte. Ouais. Et en fait, c'est passé sur Arte. Et Pierre-Ange Le Pogam, qui a fait Europacorp ensuite avec Luc Besson, travaillait à la Gaumont, a vu le film dans un festival et il s'est dit « je veux sortir ce film en salle ». Donc ce film-là est sorti en salle alors qu'il n'était pas destiné à sortir en salle. Okay. Et vous avez dit que c'était un film sur une vengeance, que c'était une vengeance sur l'adolescence? Oui, parce que on s'est aperçu avec mes deux copains de lycée qu'on s'était beaucoup menti à l'époque de l'adolescence. Moi, j'étais persuadé qu'ils étaient sortis avec 1000 filles, les deux, pendant qu'on était au lycée. Eux pensaient un peu la même chose de moi. Et puis, on s'est aperçu qu'on n'était jamais sortis avec une fille jusqu'à la terminale et que nos histoires étaient totalement misérables. Donc, on s'est avoué ça quand on avait 30 ans, quand on écrivait le film. Et on s'est dit, c'est quand même débile d'attendre 30 ans pour se dire la vérité. Et où, effectivement, l'adolescence était un truc
où on se disait c'était quand même supra-misérable les histoires avec les filles, notamment, et pas que avec les filles. Et du coup, oui, la vengeance sur l'adolescence, c'est ça, c'est de se dire, le fait d'affronter que c'est pourri, bah finalement, ça, c'est une vengeance. C'est-à-dire que même par rapport à la période, on a l'impression que c'était une période super banale. Puis en fait, on s'est aperçu en retraçant tout ça, que tous ces ratages-là, en fait, ils étaient assez drôles et que c'est assez représentatif de l'adolescence. C'est dans ce sens-là où je me suis dit, la sincérité, le fait d'affronter des trucs qui sont quand même un peu minables et un peu pas fiers, quoi. Enfin, on n'est pas fiers de ces trucs-là, le fait de les montrer vraiment, on s'est dit, voilà, ça, c'est une matière de scénario, quoi. Si vous voulez, on va regarder l'extrait, puis on reviendra pour élaborer un peu plus sur le film. Mais si... Alors, monsieur Tomasi, on se promène. Bah, il fait beau, quoi. Les autres chantent. J'espère qu'ils chanteront encore l'année prochaine, après le bac. Vous lui dire que je suis comme la cigale. Ça vous gêne que je chante tout l'été? Je préfère les petites fourmis. Bon. Bon, si vous venez au lycée, c'est pour travailler. Hein? Ça a sonné il y a 10 minutes. Alors, dépêchez-vous. Oui, monsieur. Bien, monsieur. J'y cours, monsieur. Hé, hey, regarde, t'as pas vu Chabert? Il est en train de recrouver les arrivages. Tu sais qu'ils vont fermer le foyer l'année prochaine? Ouais, promets de fermer le lycée, ouais. Là, vous. Ça va, toi? Salut. Et pourquoi vous venez pas au foyer, les mecs? Non, parce qu'avec Agar et Orchon, on peut pas se concentrer, foutre la musique à fond. Ah, ça vous dérange maintenant, la musique, c'est ça? Et venez, quoi, on va se taper un flip, les mecs. Moi, je dois faire un peu de maths, là. Puis moi, j'ai de l'histoire géo, là, j'ai 2 pays et 2 guerres à réviser en 3 jours, alors... Mais vous êtes malade, ou quoi? Non, mais tu veux pas plutôt réviser avec nous, là? Ça va pas? Allez, déconne pas, viens, quoi. Tomasi, qu'est-ce que tu fais, là? Eh, vous faites vraiment chier, vous, quoi. Y a pas que le bac dans la vie, les mecs. Et quoi, y a quoi d'autre? Le flip? Le flip. Y en a qui veulent travailler. Il est marrant, le flip. Y en a qui travaillent. C'est nouveau, ça. Allez, laisse-les tranquilles. Écoute, il n'y a plus que 15 jours. C'est quoi, 15 jours? C'est rien. Moi aussi, j'étais comme toi. J'ai hésité avant de le passer, le bac. Je trouvais ça débile de me plier à l'autorité. Mais maintenant, je sais que si je l'avais pas eu, là, je me serais fait entuber par le système. Tu comprends? Étudier, c'est une chance. Ouais, t'as raison. T'as Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais arrête! Lâche-moi! Arrête! Mais calme-toi! Toi, tu me touches pas, toi! Lâche-moi! Calme-toi, Tomasi, arrête! Vous, c'est pas la peine de me virer, de toute façon, je me tire! Bon, bah, avant, tu vas passer dans mon bureau! Finis ton bureau, finis tes avertissements, finis tout ça! Tu ne me parles pas sur ce tour, Tomasi! Toi non plus, tu me parles pas. Allez, ça suffit, dehors! Mais c'est...
mon débarras. Bon, allez, ça suffit, il n'y a plus rien à voir. Retournez travailler. Allez, Rouvel, Zareba, Chabert, retournez en permanence. Tout de suite. Il a raison, bien. Il n'y a plus rien à faire ici. Vous faites rien? Vous le laissez tomber? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser tomber, en tout cas. C'est passé comment exactement? C'est pas exactement. Enfin, c'est Sophie qui l'a trouvé. L'overdose, quoi. Le film n'est pas que drôle. Non, non, non. D'ailleurs, quand on a écrit le scénario, enfin, pour moi, on s'était référé avec mes amis scénaristes à trois personnes qu'on avait connues au lycée, dont deux étaient mortes. Et du coup, enfin, on voulait vraiment raconter l'histoire de ces personnes-là, qui étaient des personnes c'est ceux qui nous faisaient le plus rêver finalement dans le lycée. Et donc le fait que deux soient morts parmi ces gens-là, ça nous avait vachement troublés. Et du coup, nous, on était persuadés en écrivant Le Péril Jeune, c'était une histoire très triste, quoi. Donc c'était assez surprenant quand on a gagné le prix du film de l'humour. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ce que le film soit ressenti comme un film très drôle, quoi. Mais c'est sûr que là, enfin, ouais, on est dans les passages dramatiques du film. Ouais. Mais dans la structure du scénario, c'est ce qui fait qu'on se fait avoir. C'est-à-dire qu'on rigole pendant un bon bout de temps, mais on a toujours cette impression qu'il manque un des personnages. Ouais. Mais quand on arrive à cette scène, puis on fait « Ah bon, OK, il n'est pas juste parti, il est ouais. décédé. » Et en plus, c'est son enfant qui... qui naît. Ouais. On est parti d'une idée assez bête et on s'est dit... parce que moi, on m'avait dit de faire un film sur un lycée en 75. On s'est dit, c'est quoi 75? On s'est dit, 75, c'est la fin de l'esprit de 68 et le début d'un autre esprit. Et donc, on s'est dit, ben voilà, il y a quelqu'un qui va mourir, il y a quelqu'un qui va naître. On est parti de cette image-là. Donc, la première réunion avec mes copains scénaristes, on s'est dit, voilà, ça, on va faire ça. Il y aura quelqu'un qui va mourir, enfin, donc ce personnage qui va mourir d'une overdose. Et puis, il va avoir un enfant. Donc, il va laisser un enfant. Parlez-nous un peu de comment vous avez découvert, comment la production a découvert Remets Duris et comment ça s'est passé. Au départ, vous n'étiez pas certain de vouloir la garder. Non, c'est-à-dire que celui qui est devenu mon producteur aujourd'hui, on s'est associé pour faire une maison de production et c'est lui qui s'occupe de la production. Il était casting à l'époque. C'est le premier film sur lequel on a travaillé ensemble. Et donc, il s'appelle Bruno Lévy, et il a donc découvert Élodie Bouchet, Hélène de Fougerolles, Vincent Elbaz, Romain Duris, puis par la suite, c'est lui qui a découvert Audrey Tautou. Enfin bon, c'est quelqu'un qui était assez fort à découvrir des jeunes acteurs. Et donc, à l'époque, il faisait la sortie des lycées pour le film. Et parce qu'il y a certains, on se disait on va les trouver dans des écoles d'acteurs, et puis d'autres, on était persuadés de ne pas les trouver chez les acteurs. Donc on se disait, Tomasi, soit c'est un chanteur de rock, soit c'est quelqu'un qu'on trouve dans la rue, mais en tout cas, on ne va pas le trouver chez les acteurs. Et donc ça s'est avéré vrai, parce que tous les gens qu'on voyait qui étaient acteurs, ça ne marchait pas pour le personnage de Tomasi. Et donc, à la sortie d'un lycée, il a vu Romain, il a été l'aborder, il ne voulait pas venir au casting. Et puis c'est ses copains qui avaient vu mon premier long métrage qui lui ont dit « Ah bah si, c'est vachement bien son premier long métrage, vas-y », et tout ça. Finalement, il est venu. Il a fallu vraiment insister pour qu'il vienne. Puis j'ai fait pas mal d'auditions et j'hésitais, moi, parce qu'il était très, très timide. Il était très, très renfermé. Donc c'était quand même quelqu'un qui était censé être un leader ou quelqu'un qui a un côté grande gueule dans le lycée. Donc, j'étais pas sûr qu'il pourrait faire ça. Et donc, Bruno m'a dit, si, justement, c'est son côté timide qui va être intéressant par rapport à ce personnage-là. Je vois à quel point Bruno avait raison. L'autre truc qui m'a fait choisir Romain, c'est que Romain était bon quand il y avait Vincent Elbaz aux auditions. C'est-à-dire que
Vincent, qui lui était complètement, enfin c'était une espèce de Depardieu, quoi, Vincent Elbaz. Il avait un truc de panache, il faisait rire tout le monde et tout ça. Et je voyais comment Romain s'allumait quand il y avait Vincent à côté. Je me suis dit, finalement, si les deux sont l'un à côté de l'autre, ça va l'aider. Et ça a été le cas, parce que dans la scène du panneau de basket dans la cour, enfin, où il fallait justement... Espèce d'hommage à Fellini, où il monte, voilà, c'est ça, ouais. Il crie « Je veux une femme ». Oui, qui était la première scène où il devait jouer avec le proviseur, l'engueuler à moitié et tout ça. Là, il n'était vraiment pas assez sûr de lui pour jouer ça. Et c'est vraiment Vincent qui lui disait comment faire, en fait. Donc, il y a eu vraiment des étapes, disons, dans ce film où à la fois Romain a été ce qu'il devait être, quoi. Mais en même temps, c'était vraiment un travail de chaque plan, quoi. Et donc, c'est ce truc bizarre du casting où finalement, on imagine des choses sur les gens, puis on fait des paris, en fait, sur les gens. Et puis, quand ça marche bien comme là, où les gens sont meilleurs que ce qu'on a pensé au départ, là, c'est un grand cadeau, quoi. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on coupe au montage. Non, c'est vrai, c'est un peu la solution. C'est que quand quelqu'un n'est pas bon, on ne le laisse pas, quoi. Ouais. Donc, mais ultimement, là, une scène vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, mais vous faites plusieurs prises jusqu'à temps que ça fonctionne, vous trouvez des trucs, ouais, vous déstabilisez le comédien d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais, ouais. Puis après, ça dépend vachement des films. Là, je sais que moi, j'étais pris par le temps. C'est-à-dire que j'ai fait jusqu'à 25 plans par jour dans ce film. Donc, on travaillait, j'avais fait un storyboard. C'est-à-dire que tous les plans du film sont absolument storyboardés. Ah oui. Parce que je m'étais dit, sur le tournage, j'aurais pas le temps de réfléchir à comment filmer. Donc, on faisait les plans que j'avais dessinés, quoi. Et c'était un copain qui dessinait, moi je dessine mal, mais en tout cas c'était le découpage en tout cas que j'avais prévu. Et j'avais beaucoup répété les scènes avec les acteurs, la scène là que vous venez de voir dans la permanence, comme chacun avait une réplique, ils étaient 6 à jouer dans le plan, pour que ça puisse aller vite entre eux, je voulais vraiment qu'ils soient, c'était le premier film pour pratiquement tous, donc je voulais qu'ils soient à l'aise, et j'avais vu que, contrairement à ce que je dis sur Chacun cherche son chat, là c'était dans la répétition des textes qui devenaient de mieux en mieux. C'était vraiment parce qu'on répétait beaucoup les scènes qu'il y avait une espèce de vivacité, qu'il y avait une spontanéité qui naissait. Okay. Quand vous tournez une scène, est-ce que vous avez tendance à penser en termes de montage, à savoir que vous avez ce que vous savez ce que vous voulez, vous l'obtenez. Maintenant, en vous disant que peut-être une fois au montage, en voyant l'ensemble du film, ce serait bien peut-être d'essayer d'autres choses et donc d'explorer des nouvelles avenues une fois que vous savez que ce que vous avez cherché au départ était là. Au montage, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire au tournage, pour avoir au montage plus de... Parce qu'on le sait, des fois au montage, on arrive et ouais. Ce qu'on avait... C'était un sujet d'engueulade avec les producteurs du film, dans le Péril jeune, parce que comme j'estimais que je n'avais pas le temps, je faisais un plan, une action, un plan, une dialogue, quoi. Et donc, je n'avais absolument aucune solution de montage. Et je m'étais dit, voilà, c'est la seule façon de faire le film comme j'ai envie de le faire. Après, il n'y a pas eu vraiment de problème de ça, parce que justement, j'avais suffisamment pensé au découpage en amont pour que... Il ne m'a pas manqué de plan. Il y a eu des trucs. Là, je me rappelle au jardin. C'était toujours du manque de temps. Donc, je n'ai pas filmé exactement comme je voulais. Et donc, du coup, le montage était un peu... c'était un peu choppy, comme on dit. Mais disons que j'avais des solutions de montage quand même. Mais c'était un peu sans filet, ce film-là. Alors qu'après, Un air de famille, par exemple, c'est un film que j'ai fait où, au contraire, je filmais plusieurs axes. J'avais envie d'avoir des solutions au montage et ça a été super important sur Un air de famille d'avoir plusieurs possibilités de montage pour un même dialogue, quoi. Okay. Puis même dans le jeu des comédiens, à savoir plusieurs possibilités de montage, mais aussi plusieurs versions dans l'attitude, dans la manière d'amener le personnage et tout ça. Est-ce que vous jouez des fois avec ces... Parfois, oui. Ça, c'est quelque chose que je peux réfléchir en tournant. Où je me suis déjà rendu compte que quand on fait 10 prises, 15 prises, et puis on voit que l'acteur est bloqué sur un truc, si on change d'axe, finalement, ça va débloquer un truc chez l'acteur. Donc, c'est aussi parfois, pour débloquer un truc, je me dis, bon, finalement, comment je peux monter cette scène avec un autre plan pour permettre à l'acteur, c'est comme s'il avait un deuxième départ, quoi. Et souvent, l'acteur est meilleur
enfin surtout quand il bute dans la première façon, la deuxième fois parce que il est revenu dans sa loge, il s'est calmé ou je sais pas quoi, il est plus tendu. Mm-hmm. Le fait d'avoir une deuxième possibilité, souvent il est bien meilleur en fait. Okay. Des questions sur la direction d'acteur? Bonjour. Vous avez parlé tantôt de l'importance de garder quelqu'un. Je voudrais commencer. De garder un acteur dans l'instant. Est-ce que vous avez un secret ou un truc, surtout quand vous travaillez. J'ai compris que vous avez travaillé beaucoup un peu à la manière improvisée, dans chacun son chat, mais dans les films qui sont plus scénarisés, quand vous faites comme plusieurs prises, pour trouver ça. En fait, quand on improvise, il faut simplifier le découpage. C'est-à-dire que vous ne pouvez dire, voilà, il y aura trois plans sur une scène que s'il y a un texte. S'il y a pas de texte, vous devenez fou au montage. Quoi. Parce que du coup, il manque des bouts de phrases. Donc, très souvent, moi, quand j'improvise, je fais un plan. Et je me dis, il vaut mieux que ce soit un plan séquence. Et quand j'ai improvisé la scène, je me dis, c'est passé ça. Je sais que j'ai fait 5 prises ou 10 prises improvisées. Et je me suis dit, voilà, et dans 3 prises, ils ont dit ça. Dans une prise, ils ont dit ça. Ça, je suis sûr de le garder, ça aussi. Et du coup, je vais faire un autre plan qui va me permettre de monter la prise 1 avec la prise 7. Donc, c'est une espèce de gamberge sur le tournage de comment fabriquer un découpage après avoir filmé. Donc, c'est une autre façon de filmer quand on improvise. Parce qu'on est obligé de penser au montage après au lieu de penser au montage avant. C'est-à-dire, quand vous avez un texte, vous disiez, voilà, cette phrase-là, on va la dire en gros plan et ensuite, ça va être un travelling et puis ensuite, ça va se terminer par un plan large. Donc, vous prévoyez votre montage par rapport à un texte qui est écrit. Et puis après, vous vous dites, voilà, le plan large, je vais quand même le faire sur l'ensemble du truc. Et puis, si ça se trouve, au montage, ça va être le plan large que j'utilise au début, alors que je pensais l'utiliser à la fin. Donc, ça c'est un peu la cuisine qu'on fait avec un découpage, avec un texte. Quand c'est improvisé, vu que vous ne savez pas où ça va aller, et que peut-être le meilleur de ce qui va être dit va être au milieu, et que vous ne pouvez pas le refaire, parce que... Ce qui est beau dans l'improvisation, ce sera toujours une prise. C'est-à-dire que si vous essayez de refaire un truc, parfois ça peut être bien de reprendre la même phrase, mais souvent la magie dans l'improvisation, c'est la prise. Mais par contre, vous avez le droit de monter dans ce truc-là. Donc du coup, parfois, ça peut être un plan de réaction sur quelqu'un. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez monter à l'intérieur d'un plan séquence. Vous avez quelqu'un en face qui regarde, et puis du coup, ça vous permet de monter 3 prises différentes. Donc le découpage, vous le pensez autrement en improvisant. Donc, voilà, c'est cette liberté-là qu'il faut se permettre quand on improvise. Une autre question avant de regarder le prochain extrait. Justement, pour vous préparer avec ces acteurs-là, faites-vous des séances de répétition, faites-vous des ateliers? Est-ce que, justement, est-ce que les personnages... agissent entre eux, sans texte. Avez-vous une préparation de la compte ou vous y allez, pff, bang? Ça dépend complètement des films, en fait. Ça dépend des films et des acteurs. Il y a des gens qui détestent improviser, je ne les force pas. Bizarrement, enfin, Fabrice Luchini, avant, il détestait improviser, maintenant, il adore ça. Et donc, suivant... les situations, alors justement, Fabrice Luchini, avant, il avait besoin d'être super rassuré sur un texte, de le relire 20 fois, de l'analyser, de le disséquer, de changer un bout de phrase. Il dit, ça t'embête pas si au lieu de dire vachement, je dis totalement. Y a tout ce travail-là, qui, avec certains acteurs, où ça va d'une façon assez précise, et ça se fait sur le texte. Il y a certains acteurs, Juliette Binoche sur Paris, elle voulait qu'on répète beaucoup, notamment les scènes avec Romain Duris. Et par contre, quand il y avait un truc d'émotion, elle ne voulait pas du tout qu'on le répète, pour que ça soit complètement frais au tournage et qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit tué par la préparation et par les répétitions. Et en plus, elle me demandait, à chaque plan qu'on faisait, de ne pas lui dire ce que je voulais avant qu'on fasse la première prise. Donc la première prise, elle voulait avoir aucune indication de ma part. Donc elle faisait une prise, parfois une deuxième, où elle me disait non, j'ai envie de le refaire encore. Et après, la troisième prise ou la deuxième prise, je lui disais, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que tu le fasses comme ça. Et à ce moment-là, elle allait complètement
dans ce que je voulais qu'elle fasse, qui pouvait être à l'opposé de ce qu'elle avait fait. Mais en tout cas, la première prise, elle voulait la faire comme, sans contrainte, disons, sans vision de la façon de dire la phrase. Donc, chaque acteur a sa façon de procéder. Donc, dans Chacun cherche son chat, où il y avait des gens acteurs, des gens pas acteurs, c'était encore une autre façon de travailler. Il y a certains où il faut beaucoup répéter, d'autres pas. Zindine Soualem, dans ce film-là, il voulait beaucoup répéter. Donc, lui, par exemple, il a fallu qu'il invente un personnage. Son personnage de débile, là, il l'a créé. Et ça s'est créé dans un atelier d'acteurs. L'atelier dont je parlais, finalement, c'était un peu la fin de cet atelier, où on a compris que pour qu'il soit débile, il fallait qu'il joue à être intelligent. C'était ça, sa façon de... Ce qui a débloqué pour lui le... Là où il a trouvé le personnage, c'était, on faisait des séances d'improvisation, des séances où je donnais des textes. Et en fait, il a trouvé le personnage quand il faisait le frimeur. Il mettait ses mains dans les poches et il disait oui. Et donc, c'était quand il faisait le type qui assure, quoi, qu'il avait l'air le plus débile. Et donc, très souvent, c'est comme ça qu'on arrive à bien jouer un truc, c'est quand on joue le contraire. C'est Kevin Bishop dans L'Auberge espagnole. Il me dit, pour jouer le mec bourré, je suis obligé d'essayer de jouer le mec qui essaye de marcher droit. Et donc, il est comme ça, et il essaye de marcher droit. Et du coup, il ne joue pas le mec qui titube, il joue le mec qui essaye de ne pas tituber. Et c'est souvent dans des trucs contradictoires comme ça qu'on trouve comment l'acteur doit se comporter dans une scène. Et alors, suivant les scènes, suivant les acteurs, il n'y a vraiment pas de recette. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que... on navigue dans du mystère total avec les acteurs. Mais par contre, c'est vrai que quand on multiplie les séances de jeu avec les acteurs, on a de plus en plus d'outils pour pouvoir diriger un acteur, pouvoir lui dire des choses. Parce que sinon, au début, c'est compliqué. Mais il y a des fois pour diriger, il faut diriger. Et des fois pour diriger, il faut laisser libre. Donc ça, c'est compliqué de savoir. On regarde le prochain extrait. Oui, une question. Ce qu'on retient de tous les exemples que vous nommez présentement, c'est que finalement, vous essayez souvent de mettre les acteurs dans leur zone de confort. Ouais. Mais est-ce que ça vous sort de votre zone de confort d'être obligé de vous plier à toutes les demandes des autres ou, Ah, ça, c'est clair que ce n'est pas confortable de réaliser un film. Je pense que d'ailleurs, quand même, vous avez raison de dire que je les mets dans une zone de confort. J'essaye de les conforter, en tout cas, parce qu'on a tous intérêt à ce que la scène soit bien. Mais il y a quand même souvent où je crée de l'inconfort exprès. Parce que le fait de les... Ce n'est pas de les mettre mal à l'aise, mais de créer du danger. Le danger, c'est un bon endroit, pour moi, réalisateur, et pour les acteurs. Parce que quand on est en danger, on est dans la tension qu'il faut pour réussir la scène. Donc ça, quand je vous raconte la scène avec la dame folle, là, il y a une tension très très forte de moi, des acteurs. Et ce niveau de tension qui est un niveau de danger, parce qu'on ne sait pas où on va, eh ben c'est là où il se passe des choses super intéressantes. Donc c'est quand même souvent dans l'inconfort qu'on fabrique des trucs intéressants, quoi. Et bizarrement, même si on répète une scène 1000 fois, c'est quand même l'inconfort qu'on cherche, quoi. C'est-à-dire que c'est la prise où il va se passer un truc qui est pas pareil, qui est... je sais que Juliette Binoche, elle est ultra impressionnante sur ça. C'est qu'elle, encore une fois, elle aime bien travailler, elle travaille beaucoup le texte, tout ça. Et la bonne prise, c'est quand elle ne fait pas ce qu'on a prévu, quoi. Ou Lucchini, il est génial sur ça, parce que je me rappelle d'une fois où je lui avais demandé de crier sur quelqu'un, et puis donc on s'installe dans la scène, donc il doit hurler sur la personne en face, et puis je le vois, il chuchote, il dit, j'aimerais bien que... Et en fait, la violence que je voulais qu'il ait pour la personne passait beaucoup mieux par le chuchotement, c'est-à-dire que ce que je lui avais demandé, il l'a fait, mais en faisant le contraire, quoi. Donc j'ai dit couper, il a dit « T'as vu, j'ai fait exactement le contraire de ce que tu m'as demandé !» Et c'était génial, parce que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. C'est-à-dire que
Moi, je lui demandais de prendre l'ascendant sur la personne. Et en fait, il a trouvé la bonne façon d'avoir l'ascendant sur la personne. Donc, c'est ça le génie des acteurs. C'est qu'ils trouvent des solutions où, parfois, pour dominer, il ne faut pas crier, quoi. Vous parliez d'utilisation des verbes d'action aussi. Plutôt que de dire « sois triste, sois plus fâché », mais plutôt de le mettre dans une disposition. Alors ça, c'est vraiment ce que j'ai appris à l'école à NYU, où j'avais un prof très issu de l'Actor Studio, où les techniques issues de Stanislavski et de Lee Strasberg, c'est de décomposer une scène, une situation en action et de dire, voilà, dans une scène, quand on a une scène à jouer, au lieu de dire, effectivement, on peut pas dire à un acteur « sois triste ». Il faut dire « tu t'assieds et tu rates le coussin et tu tombes par terre ». C'est-à-dire que la tristesse, elle va passer par un acte. Et donc, on est tout le temps, on est obligé de réfléchir à comment on doit trouver un verbe d'action, quoi. Moi, il y a un truc qui m'avait beaucoup impressionné, c'était Bergman qui dirigeait une figurante sur Fanny et Alexandre. Elle est dans un marché, elle est genre derrière les acteurs, on n'est censé pas la voir. Et elle joue super mal, et ça se voit dans la... C'est-à-dire qu'on est sur deux acteurs qui sont nets. Elle est floue, mais moi, je sais qu'elle... Il y a parfois où je suis obligé d'aller diriger les figurants parce qu'ils mettent en péril une scène qui est devant, parce qu'on ne voit qu'eux tellement ils sont mauvais, quoi. Et donc Bergman va voir cette figurante et dit à cette vieille dame, votre mari est malade et il faut absolument que vous achetiez très vite quelque chose parce qu'il faut rentrer vite à la maison. Et bien la prise d'après, elle joue bien. Parce qu'elle a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter du poisson d'une façon globale, elle est paniquée parce que son mari est malade et qu'il faut que... Enfin, voilà. Elle joue quelque chose. Le jeu, c'est quand on a une motivation et qu'on n'est pas juste en train de... Par exemple, on ne peut pas dire « passe de gauche à droite » à un figurant. On est obligé de dire « tu es en retard à un rendez-vous et il faut que tu ailles rapidement ». C'est qu'il y a, là, du coup, il a quelque chose à jouer. Donc, tout ce qui est mécanique, c'est l'anti-jeu. Le jeu, c'est quand on essaye d'enlever la mécanique et donc, du coup... On remplit par de la motivation, par une action à accomplir. C'est vraiment la base du jeu. Quoi. D'autres questions sur le jeu? On va regarder un extrait de toute façon où il est encore question de jeu. On retrouve Romain Duris, mais là, beaucoup plus tard, on est dans le film Paris, ouais, avec Juliette Binoche. Et puis on regarde la scène et on en parle après. Allô? Oui? Ah bon? Oui, je comprends. Non, non, je sais, le docteur Ferrand m'avait tout expliqué. J'ai combien de temps pour arriver? D'accord. Vraiment pas que je vienne. Je préfère qu'ils viennent pas. J'ai l'impression de partir à l'échafaud, alors faisons ça simple. Pas de soin de soin, on se dit pas adieu, on s'embrasse pas, tout ça.
façon, on se reverra, d'une manière ou d'une autre. S'il te plaît. Merci. Merci aussi. Alors voilà. J'ai remarqué le son d'ascenseur qui fait boum, boum, un peu comme le son de cœur, qui pas besoin de mettre de musique hein, là-dessus. C'est non, tout à fait non, efficace. C'était d'ailleurs ce qu'on s'était dit à l'époque, parce qu'il y a un casting son d'ascenseur. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais embêté le monteur son pour trouver le bon son d'ascenseur, parce qu'effectivement, il faut que ça rentre dans la scène. Quoi. Il ne faut pas que ce soit gênant, il faut que ce soit, ça participe de la scène. Quoi. Donc ça avait été important, ça. Alors, avec le passage du temps, retravailler encore avec Romain Duris, cette collaboration, cette complicité que vous avez, quand vous préparez une scène comme celle-là maintenant, est-ce que vous avez encore besoin de lui parler ou ça... Pas tellement. En fait, je pense que la meilleure direction d'acteur, quand je revois la scène, là, c'est que c'est leur dernier jour de tournage à Juliette Binoche et Romain Duris. Donc, en fait, dans la scène, il y a un double sens. C'est qu'ils ont adoré travailler ensemble et que là, enfin, donc, peut-être ils ne vont pas se revoir alors qu'ils partent dans l'ascenseur. Et là, c'est vrai aussi, c'est qu'ils se disent au revoir. Quoi. Donc, enfin, je veux dire, dans le tournage. Ouais. Vous aviez prévu ça comme ça ? Ouais, parce que je savais que ça allait jouer comme ça. Et de fait, ça a joué comme ça, puisqu'ils ont adoré travailler ensemble. Et que du coup, à la fin de la prise, c'est fini. Quoi. Donc, okay. Donc l'émotion, moi, j'utilise, enfin, c'est une façon d'utiliser de la vraie émotion. Et parce que souvent il y a ça à la fin d'un tournage, c'est-à-dire qu'il y a une colonie de vacances qui s'arrête, il y a un truc qui est assez triste, quoi. Et donc du coup, il se passe ça dans la scène, quoi. Et donc ça a été important. Puis après, ce qui est compliqué à conduire dans une scène comme ça pour Romain, c'est que, bon, d'une part, on part de documentation. Il a été voir des gens qui ont des problèmes de cœur, qui ont vécu ce moment-là de partir à l'hôpital en ne sachant pas s'ils vont revenir ou pas. Donc, il y a un travail de documentation qui nourrit quand même ce genre d'instant. Il y a des petites choses. Je revoyais le plan quand il regarde les enfants. Au début, il regardait les enfants d'une façon très grave. Et à un moment, je lui ai dit « souris quand tu regardes les enfants ». Et je trouve, en voyant le plan, qu'il est émouvant parce qu'il sourit et parce qu'il fait un sourire qui est minuscule. C'est-à-dire que je me souviens qu'il avait fallu doser ce sourire-là. C'est-à-dire que s'il sourit trop, ça ne marche pas. Et que Romain, il a cette espèce de grâce-là où, effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup lui parler... Quand je lui dis « fais un micro-sourire », ben, il fait ça. Et que, voilà, c'est... et ensuite, après, je dirais que ça se passe entre deux avec Juliette. C'est-à-dire que je me souviens, on a fait 10 prises du plan séquence où ils vont jusqu'à l'ascenseur. Et il y avait la première et la dernière prise qui marchaient. Il y en a 8 qui sont achetées à la poubelle, elles sont super mauvaises, quoi. Et c'était fou à quel point la première prise, elle a été ultra émouvante tout de suite. Et puis la dernière prise, c'est-à-dire que les 8 prises, c'était artificiel. Ils avaient pu retrouver c'était mécanique, il y avait un truc, vous n'avez pas retrouvé le truc. Et la 10e, ils retrouvent un truc, et je pense que c'est la 10e qui est montée.
C'est-à-dire qu'elle elle réussit à être plus émouvante encore que la première. Et parce que aussi le mouvement de caméra il est mieux fait. Enfin, il y a tout un truc qui fait que la prise est plus là, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je cherchais à le refaire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là ou c'est tout simplement qu'à un moment donné, c'est sorti? C'est-à-dire que je pense que... moi, je sais que Juliette m'avait dit que ce qui la faisait pleurer, c'était comment Romain jouait. Et elle disait qu'à chaque fois qu'elle le voyait aller vers cet ascenseur, elle se mettait à pleurer sans le déclencher, quoi. C'est-à-dire que c'est en voyant Romain, quoi. Donc, ça fait partie des choses qui ne sont pas vraiment explicables, en fait. Ouais. C'est des trucs... mais c'est vrai que là, c'est un truc que j'ai souvent vu récemment, parce que ce n'est pas un truc dont je suis conscient depuis longtemps, que le placement d'une scène dans le planning peut être absolument primordial. Mm-hmm. Une scène comme ça, je l'aurais placée le deuxième jour du tournage et on était mort. Enfin, il n'y avait rien, quoi. C'est dans Auberge espagnole, je pense, que la fin du film aussi se termine, où c'était le dernier jour de tournage, où les poupées russes... Non, je crois que c'est l'Auberge espagnole. Hein. Ça, c'est quand ils sortent de la fête dans l'Auberge espagnole. Effectivement, c'est le dernier jour de tournage à Barcelone. Ouais. Vous aviez dit ça aussi. Ouais. Ils avaient participé au fait qu'ils étaient vraiment très émus. Ils n'avaient pas besoin de travailler très fort pour avoir l'émotion. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la direction d'acteur? Moi, je trouve que par rapport à ce que vous dites, par rapport à utiliser la vraie émotion qui peut se lier entre des acteurs où il y a un moment de planning et tout ça, je trouve qu'en France, en ce moment, il y a par exemple Mai Wen qui utilise beaucoup ça, Abdelatif Kechiche et tout ça. Et je me dis, parce que vous disiez que, par exemple, dans Chacun cherche son chat, désolé, je suis un petit peu stressé. dans Chacun cherche son chat, c'était quelque chose que vous aviez pris beaucoup de plaisir à faire, mais que maintenant, ça devenait plus dur. À cause des questions peut-être de budget, de plan de travail, d'acteurs qui sont plus connus, tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation qui en est faite maintenant dans le cinéma français, que ce soit avec des stars comme Mai Wen peut le faire, ou sans stars comme Kechiche? Vous trouvez que c'est quelque chose qui va dans votre sens et qui sert le film, ou qui est agressif et qui le dessert? Non, moi j'adore ces films-là. Donc là, j'ai vu Police il y a deux jours ici. Je sais qu'on est sur la même longueur d'onde avec Mai Wen, là, on se parle depuis deux jours beaucoup. C'est pas un hasard si on utilise les mêmes acteurs. Je pense que on aime bien travailler de cette façon-là. Après, on peut pas tout faire de cette façon-là. Donc moi, c'est vrai que suivant les films, j'ai besoin d'être soit plus spontané, soit plus maîtrisé, on va dire, parce que c'est vraiment la même année, moi j'ai fait Ni pour ni contre et L'Auberge espagnole, ou la même année j'ai fait Un air de famille et ça. Et à chaque fois, il y en avait un qui était plus maîtrisé. Un air de famille, par exemple, c'est très maîtrisé. Et puis ça, c'est le contraire. J'ai eu besoin la même année de faire des tentatives totalement opposées. Et je m'étais dit, cette année-là, en faisant Un air de famille, en faisant Chacun cherche son chat, je me suis dit, comme ça, je saurais dans quel sens il faut aller. Je n'ai pas eu de réponse, en fait. J'aime bien les deux films. Suivant les films, je choisis une méthode de travail. Et j'avais parlé avec Winterberg, qui avait fait Festen. Il me disait, tu devrais faire un film Dogma et tout ça, comme il avait fait, voilà, ou comme Lars von Trier avait fait. Puis je lui dis, mais toi, ton prochain film, tu vas le faire Dogma? Il me dit non, parce qu'il me dit, j'ai compris que je ne pouvais le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'il dit, c'est bien de se donner une règle pour faire un film comme la Dogma. Il s'était donné, je ne sais plus, 12 règles, pas d'éclairage artificiel, tout le monde sur le plateau tout le temps, pas de musique de film, tout ça. Je ne sais pas, ils avaient donné 12 règles. Et il dit, ce qui est intéressant, c'est de le faire une fois. Mais il dit, je pourrais plus jamais le refaire. C'est-à-dire que ça serait artificiel le deuxième coup. Ce qui est pur, c'est une fois. Donc, je pense que... Et d'ailleurs, il en souffre aujourd'hui. Il me l'a dit, parce qu'il me l'avait dit après Festen. Il m'avait dit, je ne pourrais plus jamais refaire Festen. Ça risque d'être mon boulet. Et je pense que ça l'a été. C'est-à-dire qu'il n'a pas refait un film comme Festen. C'est compliqué de savoir, quand on a fait ces choses-là, de savoir s'il faut repasser derrière, parce qu'on est moins pur,
on est moins spontané obligatoirement. Donc du coup, la spontanéité est un langage, mais on n'est pas obligé d'utiliser ce langage-là à chaque fois. Quoi. Vous le dosez différemment, comme là vous venez de l'expliquer dans Paris. C'est des choses qui sont moins évidentes pour un spectateur de se dire que vous avez travaillé de cette façon-là, dans cette scène-là. Mais c'est vrai que le fait que vous l'ayez dit maintenant, on ne pourra jamais voir la scène d'une façon différente et ça devient clair que c'est leur dernière scène et qu'ils se disent au revoir. Ouais. Et du coup, ouais. Comme vous dites, ça peut marcher à un dosage différent. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça ne peut pas se faire comme Maïwenn fait du cinéma ou comme j'ai fait du cinéma dans Chacun cherche son chat. Ça, c'est avec Juliette Binoche, avec Romain Duris et avec une réflexion, avec un découpage. Enfin, c'est pas la même chose. Quoi. Merci. Ouais. Question ? Pas de question ? Alors, moi, j'aimerais qu'on commence à aborder les aspects un petit peu peut-être plus techniques de la direction photo, par exemple. Vous êtes photographe, donc on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Parlez-moi un petit peu du rapport que vous pouvez avoir avec un directeur photo. C'est-à-dire, est-ce que quand on est photographe, on a un œil, on a tendance à vouloir cadrer à la place? Quelle est la place de liberté qu'on peut laisser à l'autre créateur? Puis, c'est très troublant, parce que moi, j'ai commencé à faire du cinéma, il n'y avait pas de retour vidéo. Donc du coup, quand on faisait un mouvement de caméra, on regardait au début dans l'œilleton, on disait voilà, ce serait bien que ce soit cadré comme ça. Puis après, on partait dans le mouvement de caméra qui durait une minute, et puis on regardait à la fin le cadrage, et on essayait de se dire j'espère que ça sera bien. Voilà, c'est-à-dire que c'était vraiment le cadreur qui faisait le cadre. Très rapidement, moi, quand j'ai fait mes courts-métrages à l'école de cinéma, j'ai compris qu'il fallait pas que je cadre, parce que j'arrivais pas à regarder les acteurs quand je cadrais. Contrairement à Claude Lelouch qui lui cadre, où il y a plein de réalisateurs qui cadrent. Moi, si je cadre, je regarde les bords, si je n'ai pas le projecteur dans le champ, tout ça, et du coup, j'ai raté ce que faisait l'acteur. Quand je dirige des acteurs, il faut que je sois intégralement à regarder ce qu'ils font, parce que si à un moment, ils font comme ça, et que ce n'est pas bien ou que c'est bien, faut ne regarder que ça. Très souvent, un cadreur regarde à ne pas avoir le câble qui traîne à côté, on regarde d'autres choses, quoi. Donc moi, souvent, ce qui est pratique, disons maintenant, avec les retours vidéo, c'est que j'ai l'impression de participer au cadre, parce que très souvent, dans un mouvement de caméra, je dis, là, t'es passé trop haut, j'ai un dialogue avec le chef opérateur. J'ai toujours travaillé avec des chefs opérateurs qui sont d'accord avec ce que je leur dis. Peut-être justement parce que comme j'ai un rapport au cadre, disons que quand je leur dis un truc, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas réussi un truc. On a la même vision du cadrage. C'est collaborateur aussi, la direction photo. Ouais. Donc c'est plus simple. Je sais que Christophe Bocarn, qui a fait Paris, il aime bien travailler avec moi parce que il sait que je sais cadrer, que je connais la lumière, que je sais la différence entre deux objectifs, que c'est ce que ça veut dire, la profondeur de champ ou pas profondeur de champ. Donc, par rapport à plein de réalisateurs avec qui il travaille, qui n'y connaissent strictement rien, il me dit toujours que c'est reposant de travailler avec moi parce que non seulement il y a un dialogue, mais ce n'est pas mon avis contre le sien, c'est un avis commun qui vient d'une connaissance commune de la photographie et de... Et que du coup, pour lui, non seulement ça le repose, il a l'impression d'aller plus loin, quoi, qu'avec d'autres. J'imagine qu'il y a une préparation aussi beaucoup avant le film, c'est-à-dire vous regardez des films, vous faites peut-être des photos aussi. Et puis il y a toute la préparation, par exemple là, la scène avec Juliette Binoche. Je sais pas si vous avez remarqué, à mon avis non. C'est en studio, c'est filmé en studio. Donc quand on démarre sur le balcon, le taxi, il est filmé dans une vraie rue. Il y a le plan sur lui qui est filmé sur un vrai balcon. Et quand on le reprend de l'intérieur, quand il ferme les volets, c'est en studio et on a une découverte éclairée par derrière, qui est une photo en fait du même endroit. Et donc il y a toute une discussion technique sur comment on fait ça. Donc forcément le découpage. Un jour, on est dans un vrai appartement qui est dans le 20e arrondissement. Et puis un autre jour, on est un mois plus tard en studio et il faut qu'on reconstitue. La lumière, elle se fait aussi avec tous ces facteurs-là. C'est-à-dire que
là, nous, ensuite, quand on est dans le couloir, on sait qu'ils veulent, on voudrait qu'il soit éclairé d'une telle façon, que l'éclairage de la cage d'ascenseur, elle va être plus chaude que ce qu'il y a à l'intérieur de, de l'appartement qui va être plus froid. On a choisi les couleurs de l'appartement, puisque c'est en studio, toutes les couleurs, le vert de la porte de l'ascenseur, le bleu de l'intérieur du truc, tout est choisi pour aller ensemble, disons. Donc, y a aussi un travail qui est au-delà du cadrage de la lumière, qui est un travail qui intègre la déco. Donc la fabrication d'une image, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de travail en amont. Le couloir, on a fabriqué ce couloir outrancièrement long pour ce plan-là. C'est-à-dire que moi, mon musicien dans son studio, là où on fait la musique, il a ce couloir-là, on l'a copié parce que je me suis dit que ça serait bien, au moment où il s'en va, que ça dure longtemps. Et qu'il y ait un temps long. Quoi. Et puis il y a une tension, il y a un effet d'enfermement. Voilà, un c'est peu ça. Aussi, ouais. Ouais. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont de l'image, mais en fait, c'est plus avec le déco finalement que je fabrique cette image-là. Donc voilà, ça c'est toute une série de choses. Et puis après, il y a la discussion globale de la lumière avec Christophe Bocarn, où on se dit, voilà, il faut que ce soit contrasté ce film. Donc la lumière qui est la lumière grise de Paris. On parle beaucoup de la lumière grise de Paris, mais en même temps, on veut qu'elle soit contrastée. Donc ce gris ne fabrique pas de l'image molle, mais au contraire, une image qui soit assez tendue. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de discussions. Le temps file. J'aimerais qu'on parle un petit peu des nouvelles caméras numériques. Vous avez travaillé, non pas sur celui-là, mais sur votre dernier film, sur le plus récent, avec des caméras Canon, des petites caméras numériques. En quoi le fait de travailler avec ces petites caméras change le travail, justement, la direction d'acteur? C'était le gaffeur, le chef électricien qui avait dit, c'est la première fois où je travaille exactement, il a 65 ans, et il me dit, ça fait 40 ans que je mets de plus en plus de lumière, et c'est le premier film où je mets de moins en moins de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, il avait appris à déséclairer, en fait, toutes les scènes de nuit. Un éclairage comme ça, qui est un éclairage très doux, un kinoflow, c'est trop fort. C'est-à-dire qu'un visage, il est cramé et on ne peut rien faire. Donc on est obligé d'utiliser des... C'est-à-dire qu'un iPhone éclaire trop fort. Quoi. C'est-à-dire que, donc on est obligé de travailler d'une autre façon la lumière parce que... on est obligé de cacher la lumière au lieu de mettre de la lumière. Donc, quand on tourne dans la rue, on tourne forcément avec les lampadaires de la rue. Ça forme une base. Et ensuite, on met des caches parce qu'encore une fois, il y a trop de lumière. Ça, c'est une façon super nouvelle de travailler. C'est-à-dire qu'avant, la nuit, il fallait mettre des tonnes de projecteurs. C'était super compliqué. Il fallait bloquer les rues. Donc ça, c'est une révolution totale. Quoi. Je pense que c'est la même révolution qu'au moment de la nouvelle vague, quand ils vont dans la rue, parce que pour la première fois, on peut filmer dans la rue sans projecteur. Exactement. Deux jours. Par rapport, vous avez dit quelque part que dans une scène donc, de votre plus récent film, vous avez utilisé plusieurs petites caméras donc, et que ça vous a permis de faire en sorte que, sans faire un plan séquence à une caméra, mais le fait que les personnages se déplacent, ça vous a permis de garder le plan plus longtemps. Mm-hmm. Et donc, c'est une façon différente, que l'énergie de la scène était différente. Ouais. Parce que vous avez moins besoin de découper à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que je l'ai découvert dans L'Auberge espagnole, qui est le premier film que j'ai fait en HD, qui est d'ailleurs un des premiers films en HD, où, par exemple, je filmais les répétitions, et puis souvent, je laissais la caméra tourner. C'est-à-dire que s'il se passait un truc avec les acteurs, comme il n'y avait pas le coup de la pellicule comme il y avait avant, parfois, la répétition, elle était mieux que la scène qu'on faisait après. Donc, il y a quelque chose qui fait que il n'y a pas le moment où on a... Enfin, en film, avec la pellicule, il y a vraiment une espèce de tension quand on dit action et quand on dit couper, qui doit se passer dans ce moment-là où on fait tourner la pellicule. Là, maintenant, on utilise le fait qu'il n'y a plus cette tension-là. On utilise autre chose. Donc, oui, ça fabrique une espèce de liberté. Les acteurs, parfois, sont moins stressés parce qu'il y a moins... Le côté OK, maintenant, ça commence. Donc, il faut trouver une autre manière de le stresser. Ouais, voilà, c'est ça. Pour certaines scènes, ouais. Question sur les aspects techniques. Tu avais une question tout à l'heure. Dans Paris, il y a une scène, il me faisait remarquer que vous avez tourné une scène où vous avez volontairement sauté l'axe à quelques reprises. Alors, c'est laquelle que vous avez remarqué, alors? C'était la
Oui. Quand il lui apprend en fait que qu'il doit se faire faire une transplantation du cœur, ouais. C'est en fait la première scène entre les deux acteurs, je crois aussi dans le film, ouais. Qui est complètement tournée avec un Sodax et pourtant ça ça fonctionne. On... Ouais, c'était une grosse discussion avec le chef op et la script où il y avait un plan qu'on préférait et au niveau cadrage et où on était obligé de sauter l'axe. Et finalement on a fait les deux sans sauter l'axe et en sautant l'axe. Et j'ai monté la saute d'axe au montage parce que je me suis rendu compte que comme c'était dans un moment dramatique, ça passait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de trouble de Juliette Binoche qui apprend qu'il est malade. C'est la, donc la scène où elle apprend que son frère doit se faire greffer un cœur. Et où ce choc-là, le spectateur le ressent parce qu'il y a une saute d'axe, mais où Juliette Binoche a aussi un choc. Et du coup, c'est moins ressenti comme un choc puisque c'est justifié. Il y a deux sautes d'axe en fait dans le film. Il y en a une qui est plus intéressante encore, je dirais. C'est dans la scène où Lucchini, c'est un historien, on lui propose de passer à la télévision dans une émission historique. Et puis il demande combien il serait payé et on lui dit une somme astronomique. Et au moment où on lui dit la somme, je saute l'axe. Et parce qu'il fait une tête comme, enfin c'est comme s'il n'avait jamais touché autant d'argent. Et en fait, ça provoque un côté comique, c'est-à-dire que la saute d'axe là, elle fait une espèce de choc. Pareil, ça m'intéressait. La première partie de la scène, c'est au Palais Royal. On est sur un café. Et puis la deuxième partie de la scène, on est sur les arbres, disons, du Palais Royal. Donc c'était intéressant au milieu de la scène. C'est comme si j'avais deux décors différents. Mais du coup, le fait que je saute l'axe au moment où lui a une stupeur, en fait, c'est, voilà, ça faisait mieux marcher la scène, quoi. Donc c'était intéressant pour moi de faire ça. Donc, toujours avec un caractère émotif en lien avec l'émotion de la scène. Voilà, ouais, ouais. Puis c'est aussi pour dire, encore une fois, quand on vous apprend qu'on n'a pas le droit, bah si, on a le droit et on a tous les droits. Le temps file, c'est le temps de poser des questions. Il ne reste plus beaucoup de temps. Allô? Oui. Et moi, ma question, c'est plutôt à la coproduction. Disons que c'est quoi qui a commencé en premier? C'est l'auberge qui vous a amené à Barcelone ou la Barcelone à l'auberge? Et si vous pouvez partager un peu, c'était comment cette expérience de travailler en Espagne? L'auberge espagnole, ça part de la conjonction de deux choses. Moi, j'étais étudiant en cinéma à New York. Donc je suis parti à New York 2 ans, je suis revenu entre 23 et 25 ans. Et j'écris l'Auberge espagnole, clairement je raconte ça de ma vie. Sauf que c'est pas Barcelone, je suis pas un étudiant en économie et je parle pas d'Erasmus. Enfin je veux dire que j'ai pas vécu Erasmus. Le truc c'est que ma sœur a étudié l'architecture à Barcelone et j'ai été la voir pendant une semaine et elle habitait un appartement avec 5 personnes qui parlaient chacune une langue différente. Et quand je vais dans son appartement, je vois comment il cohabite dans cet appart et je me dis un jour, il faudra que je fasse un film sur ça. Et puis, 7 ans après avoir été dans son appartement, je me dis, je vais mélanger ces deux histoires-là. Moi, étudiant qui part 2 ans et puis ce que j'ai vu de ma sœur qui a été une des premières étudiantes Erasmus. Enfin, c'était dans les premières années d'Erasmus. Parce que je me suis dit, il y a un moment où Erasmus, ça fabrique une nouvelle génération en Europe. Et je me suis dit, il faut parler de ça. Donc en fait, le film, il naît de ça. Et je me suis dit à ce moment-là, où je place l'histoire, j'ai hésité entre Amsterdam, Florence ou Barcelone. Et en fait, je me suis dit, Barcelone, c'est la ville la plus intéressante parce que je connaissais pratiquement aucun film qui avait été tourné à Barcelone. Je me suis dit, c'est une ville vierge alors que Florence avait été beaucoup filmée, Amsterdam aussi. Et je me suis dit, voilà, dans les villes étudiantes un peu sexy, disons, pour un étudiant, je me suis dit, Barcelone... Ce que j'avais vu avec ma sœur, où j'y étais retourné plusieurs fois, c'était une ville que j'aimais vachement. Je me suis dit, voilà, je devais faire le film vite. Je me suis dit, il vaut mieux que je connaisse un peu la ville plutôt que de ne pas bien la connaître. Donc, je me suis retrouvé à Barcelone pour ça. Et puis là, du coup, j'ai vraiment copié ce que j'avais vu de ma sœur. Je me suis beaucoup documenté sur à la fois elle, ses amis, et puis les gens que j'ai rencontrés qui étaient en Erasmus à Barcelone, qui m'ont raconté leurs histoires de cohabitation, de colocation. Et oui, c'était génial de faire ce film à Barcelone parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui se passait à Barcelone aussi
sur l'identité européenne qui voulait dire quelque chose là-bas, quoi. Et ensuite, toute l'expérience du film, le fait de faire un casting dans chaque pays, parce que j'ai fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude ou de ce que je fais d'habitude dans ce film-là, c'est que j'ai, au lieu d'écrire un personnage d'Italien, d'Allemand, j'ai été en Allemagne, j'ai choisi un acteur allemand et ensuite j'ai construit le personnage de l'Allemand. Pareil en Angleterre. Donc, dans chaque pays, je ne savais pas si j'allais trouver une actrice ou un acteur. Je voyais 30 jeunes que un casting du pays me trouvait. Et donc au Danemark, à Berlin, à Rome, à Londres, à Barcelone, il y avait des castings qui me trouvaient des gens jeunes. Et puis moi, je sélectionnais les gens parmi ça et puis j'ai fabriqué l'histoire à partir des personnages que j'ai fabriqués. Donc ça, c'était aussi vachement intéressant pour écrire un scénario, de partir du casting pour construire l'histoire, quoi. Et ensuite, pour arriver à faire le film avec... je te dis, lorsque Barcelone s'implique à faire le film comme coproducteur, ça a commencé comment ? Il a fallu trouver un coproducteur en Espagne. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films qui se faisaient là-bas, donc il y avait vraiment quelque chose qui était un peu compliqué. Et puis, il a fallu associer justement une équipe française avec une équipe espagnole. Et c'était pas facile parce que je me suis rendu compte, et je m'en suis encore plus rendu compte après en travaillant en Angleterre, on a une façon de travailler qui est très, très issue de la nouvelle vague en fait en France. Où on aime bien justement l'improvisation, on aime bien changer d'avis tout le temps, qui est complètement l'opposé de la façon anglo-saxonne. Et bizarrement, les Espagnols avaient plus d'habitude de travailler avec des Américains, donc ils avaient plus la façon de travailler anglo-saxonne. Donc c'était pas facile le travail avec les Espagnols. Si. Question. J'étais désolée d'entendre tout à l'heure que vous disiez que le cinéma, finalement, c'est la vision d'une personne. Un film, c'est la vision d'une personne. D'autant que vous aviez dit juste avant que, finalement, le bon cinéma se débarrasse du scénario. Et que je me demande comment vous travaillez avec les scénaristes. Non, je pense que, justement, les scénaristes avec qui j'ai travaillé, en général, sont conscients du fait que leur travail est une étape. C'est pas... Ils n'écrivent pas une œuvre littéraire en écrivant un scénario. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre en soi. Mais le rapport avec les scénaristes... encore une fois, ce que je racontais avec Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, ça, c'est un moment génial de rencontre sur comment on fabrique une histoire, comment... Il y a un binôme génial entre Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, parce que très souvent, Jean-Pierre Bacri propose des dialogues, et Agnès Jaoui choisit, dans tout ce que dit Jean-Pierre, il va dire 10 phrases, et puis elle va en choisir une, elle va dire ça c'est bien, et puis elle va structurer le récit avec les propositions de Jean-Pierre. Donc il y a Jean-Pierre qui a un côté très très « je fournis de la matière », et Agnès qui est la rangeuse, disons. Et c'est assez parfait comme combination, parce qu'il y a besoin des deux quand on est scénariste. Donc, le rapport avec les scénaristes, c'est ça, c'est que finalement, on a besoin de gens qui sont créatifs d'une façon de parler, quoi. Et puis créatifs d'une façon de structurer. Donc, quand on travaille avec des scénaristes, on a besoin soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux. Et c'est des gens qui apportent beaucoup. Par contre, je trouve, mais c'est vrai que c'est lié à mon cinéma, pour moi, c'est bien d'oublier le scénario quand je suis au tournage. D'être nourri par le scénario, de tout le travail de réflexion qui a eu lieu en amont, qui permet ce que je vous dis sur le fait de réfléchir, si les murs vont être bleus, l'ascenseur vert, enfin, ça permet d'aller assez loin dans comment on prépare cette scène-là, parce qu'il faut vraiment l'avoir écrite pour qu'une scène comme ça techniquement existe, à la fois pour les acteurs et pour les techniciens. Et puis, à un moment, il faut oublier, parce qu'il faut être dans l'instant, il ne faut pas avoir peur d'inventer une phrase auquel on n'a pas pensé pendant l'année qu'on a passé à écrire le scénario. C'est bizarre à quel point il faut être nourri d'un truc très, très réfléchi pour pouvoir être libéré et être dans l'instant. Je dirais que c'est ça, moi, le rapport que j'ai au scénario. C'était quoi l'autre question que vous avez posée sur, J'espère que vous savez qu'un film comme « Chacun cherche son chat »,
trouverait jamais aucun financement ici. Hein? Oui, même en France. Hein. Ah oui. mais je suis contente qu'il existe. Le film existe parce qu'il ne coûte rien. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, ouais, c'est ça le secret. Ça a été à l'envers. C'est-à-dire que c'était drôle de voir à quel point... parce que même moi, pendant le montage, je me disais, mais qu'est-ce que ça raconte? Et finalement, le fil conducteur, c'est une fille qui perd son chat, ce qui est une histoire totalement inintéressante. donc j'étais assez loin dans le rien, enfin j'étais proche du très très inintéressant. Une des scènes que je préfère dans Chacun cherche son chat, c'est quand elle prend le petit déjeuner avec le copain homo de, c'est qu'ils n'ont rien à se dire, c'est deux personnes qui ne sont pas faites pour être l'une en face de l'autre, et ça c'est pratiquement l'anti-narration, c'est-à-dire que c'est une scène où il ne se passe rien. Et c'est exactement le contraire d'une scène avec Bruce Willis dans un film hollywoodien, quoi, où la Terre va exploser. Donc là, c'est le contraire, c'est de chercher proche du rien, quoi. C'est quand... Il reste quand même un sens qui se dégage à un moment donné. La ville est un personnage. Et, ouais. Et le fait de voir la destruction, la transformation, les personnes âgées isolées qui quittent le quartier... Il y a quelque chose qui émerge, quand même, une vérité qui émerge et puis qui finit par nous toucher. Oui. Mais c'est vraiment... moi, je dirais que j'ai écrit le scénario au montage. C'est-à-dire que le sens du film, je le trouve avec le puzzle de trucs que j'ai organisé pendant un mois, quoi. Ça, de toute façon, j'imagine que arrivé au montage, tout le monde le sait, c'est une nouvelle écriture. Jusqu'à quel point... Ouais. Dans quel film, disons, ça a été le plus loin où vous avez transformé au montage le scénario? Oui, là, je dirais, dans Chacun cherche son chat. L'auberge espagnole, c'est autre chose parce que je me dis, je vais utiliser le langage de Chacun cherche son chat, mais d'une façon plus maîtrisée. Donc quand même, là, il y a plus un scénario, même si j'ai écrit l'auberge espagnole en 3 semaines. Le scénario, il est super ténu et donc il évolue tous les jours. Mais par contre, comme j'ai fait Chacun cherche son chat, je connais la méthode et je suis meilleur, disons, pour conduire le truc. Donc, et là, disons, alors par rapport à votre question sur les financiers, il y a France 2, Studio Canal, ils ont déjà fait Chacun cherche son chat avec moi, ils ont accepté de financer ça parce que ça ne coûte rien. Donc là, c'est le deuxième film qu'ils font où je leur donne 10 pages pour l'auberge espagnole et je leur dis, voilà, le reste, je ne sais pas ce que ça sera. Et ils disent d'accord, alors ils donnent très peu d'argent, pareil, pour l'auberge espagnole. Et moi, je dis, voilà, dans un mois, on va faire le film, mais j'ai besoin de l'argent. Mais faites-moi confiance, ça ne coûtera que tant. Et comme ils m'ont vu déjà faire un film comme ça, ils me donnent de l'argent sans rien savoir de ce que je vais écrire. C'est-à-dire que les 10 pages, si je vous montre les 10 pages, en plus, c'est à peu près tout ce que j'ai coupé au montage. Donc, donc ça donne le feeling du film, le ton du film, avec notamment le rapport de la voix off de Xavier avec les scènes. Mais il n'y a à peu près plus rien de ce que j'ai écrit dans ces 10 pages. Au Québec, il y a Robert Morin qui l'a fait avec Le Nègre. Il y avait à peu près 110 pages. C'est à peu près les seuls films financés là, par les institutions de façon officielle. Évidemment, il y a plein d'autres films qui... des kinos ou des films qui se font non financés, mais dans les films financés, il y avait Robert Morin qui avait fait ça. J'ai vu une question. Une petite dernière question de ma part. Vous avez beaucoup filmé Paris. Ouais. Est-ce que Paris vous a imposé des limitations dans votre écriture, dans votre scénarisation, ou est-ce qu'au contraire, elle vous a inspiré à aller plus loin? Est-ce que vous avez encore autre chose à apporter en utilisant les décors, la ville de Paris, Là, c'est sûr que c'est de plus en plus précis. C'est-à-dire que je vois à quel point, avant, il y avait une histoire de quartier. Je m'étais dit, dans Chacun cherche son chat, il faut choisir un quartier, 3 rues. Je m'étais interdit de filmer un monument. Le seul que j'ai filmé, c'est le génie de la Bastille. D'ailleurs, pour la petite histoire, puisque je faisais un air de famille en même temps, je suis chez Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, qui habitaient sur la place de la Bastille. Le plan, quand elle est sur le haut de la tour de la Bastille, je suis chez Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. On fait les essayages de costumes pour un air de famille. Donc, des fois, je rentre dans l'appartement pour essayer les costumes pour un air de famille. Et puis, des fois, je sors sur le balcon et je filme Garance Clavel. Donc, ça, c'était un peu bizarre. Mais oui, donc, Chacun cherche son chat, c'était vraiment... lié au quartier. Quand je fais Paris, je me dis, c'est pratiquement des angles de vue. C'est-à-dire que
quand je refilme la place de la Bastille, quand le taxi passe à la fin, c'est parce que j'ai beaucoup repensé après coup à comment j'aurais pu filmer la place de la Bastille. J'avais l'impression d'avoir un peu raté dans Chacun cherche son chat. Et donc, il y a vraiment un truc qui fait que... il y a un travail en profondeur sur des axes, sur le fait que Paris change tout le temps, donc c'est un côté infini, on peut continuer à le filmer tout le temps, et puis qu'il y a une connaissance de plus en plus intime de comment le filmer. Je pense que c'est comme Woody Allen avec New York, ou Scorsese avec New York, il y a quelque chose qui fait que ces gens-là ne filmeront jamais comme d'autres gens, cette ville-là, donc je pense que c'est lié au temps qu'on passe dans une ville. En fait, je vois à quel point là je suis à New York pour réfléchir à filmer New York. Je vois à quel point bien filmer une ville, c'est passer beaucoup de temps dans une ville. Donc, c'est pas juste du repérage. C'est une espèce de connaissance intime. C'est ça le rapport à une ville, quoi. Question. Sinon, on va amorcer, je pense, la conclusion. Ouais. On va y aller vers la conclusion, le temps file. Pour conclure, donc, parlez-nous évidemment du film que vous venez présenter à Montréal, donc le contexte de ce film-là, qui est tout à fait actuel, disons-le. Oui, c'est la première fois où, en faisant ma part du gâteau, je me suis dit « il faut parler de l'actualité ». Bizarrement, c'est plus actuel aujourd'hui que quand c'est sorti en France. Pour plusieurs raisons. D'une part, il y a eu le printemps arabe qui donne une actualité à ce film-là. D'autre part, on pensait au moment où c'est sorti en France que la crise financière était finie. Elle a recommencé. Non seulement elle a recommencé, mais elle a créé ce mouvement des indignés, ce mouvement de Occupy Wall Street, qui donne une justification beaucoup plus forte à ce film-là. Peut-être juste résumer l'histoire rapidement. Ouais, mais... l'histoire, c'est une ouvrière, Karine Via est ouvrière à Dunkerque, dans le nord de la France, et elle est licenciée de son usine au début du film. Et puis, finalement, elle décide de monter à Paris pour retrouver du travail, et puis elle va se retrouver femme de ménage. Et elle va se retrouver femme de ménage chez un trader qui est, en fait, responsable de la fermeture de son usine. Donc, ça, c'est la trame, disons, c'est l'idée de départ, où moi, ce que je voulais, c'est... utiliser ce que je voyais aux actualités, ce que je lisais dans les journaux. Il y avait deux sujets. Il y avait les licenciements, les délocalisations, les drames liés au subprime et le fait que le système financier était en reconstruction. Et ça se passait bien. Les banquiers avaient doublé leurs bonus, les banques avaient été sauvées de la faillite par la Banque mondiale, etc. Et ce qui se repasse d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on renfloue à nouveau les banques. Enfin, c'est une situation qui est quand même super troublante de voir à quel point on met des milliards pour sauver des banques qui elles-mêmes gagnent des milliards sur le dos des gens qu'elles appauvrissent. Donc ce sujet me paraissait complètement dingue. Et c'est, à la fois, on vivait la situation de la crise de 1929 qui avait créé Les raisins de la colère, qui avait créé les films de Capra, les romans d'Hemingway, les romans de Steinbeck. C'est-à-dire que ces périodes-là fabriquent de la fiction, en fait, parce que... le drame est trop fort. Il y a un moment où l'actualité vous impose de parler de ce qui se passe. Responsabilité voilà, en tant que créateur. De la même façon qu'au moment de la guerre du Vietnam ou autour de 68, les gens parlaient de qu'est-ce que ça voulait dire ce nouveau monde qui naissait dans les années 70. Parce que c'était un sujet, quoi. Il fallait parler de ça, de pourquoi la jeunesse qui combattait contre la guerre au Vietnam, qui fumait des joints, qui écoutait Jimi Hendrix, pourquoi ça, c'était un sujet d'histoire. Donc, je pense qu'on est dans un moment très historique pour plein de raisons. On est dans la mondialisation, on est dans l'électronisation du monde, on est dans la virtualisation du monde, on est dans l'usage d'Internet, des téléphones portables. Notre vie change à une vitesse incroyable dans les 5 à 10 ans qu'on vient de passer. Et que vous êtes une génération qui vivait ce moment-là. Je pense que personne ne s'aperçoit à quel point cette période est forte. Et je pense qu'il y a plein de choses qui font que les fictions qui vont naître dans les années qui viennent vont être totalement issues de... je pense que Social Network est un film, justement, le fait de parler de Facebook, le fait de... c'est des fictions modernes parce que ça parle du monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui parlent comme ça
d'un regard sur le monde très très actuel et qui du coup change le cinéma parce que le monde change avec ces outils-là, quoi. Donc voilà, ma part du gâteau, ça part de ça, du fait de se dire voilà, je peux pas ne pas parler de ce moment-là. C'est comme quand il y a eu en 36 le Front populaire. Et voilà. J'ai eu l'impression, je repensais, c'est dans Les Poupées russes, Martine qui arrive de Porto Alegre et qui est l'altermondialiste qui est très politisé, puis elle se met à critiquer Xavier qui écrit des sornettes pour la télé, des films d'amour à l'eau de rose. Et je me suis dit, tiens, sa préoccupation était déjà là. Non, bien sûr, ce genre de débat m'intéresse, de savoir est-ce qu'il faut être politisé ou pas, est-ce qu'il faut laisser faire la politique à des professionnels, c'est les questions de la démocratie, forcément ça m'intéresse. Moi, vous savez, le sujet de tous mes films, c'est comment un individu s'associe avec d'autres individus. Donc forcément, le sujet de la politique m'intéresse. Et comment, comment une société s'organise, que ce soit un groupe d'amis, une famille, un quartier, toutes ces questions-là m'intéressent. Dommage qu'on ne peut pas vraiment parler du film sans voler des punchs et tout ça, parce qu'il y a des choses très intéressantes au niveau du scénario, de la façon dont vous travaillez avec le spectateur, c'est-à-dire vous nous amenez dans une direction, puis on se dit « Oh mon Dieu, il nous a amené là! » Et puis, hop, pirouette, assez surprenante, et puis une conclusion qui est très intéressante avec laquelle... je vous encourage d'aller voir le film, puis les étudiants en scénarisation, on pourra en reparler éventuellement. Ça vaut la peine. J'étais très intéressé par un article que j'avais lu de Tarantino qui parlait de Pulp Fiction, où il disait finalement, on pense qu'on part dans un policier, donc on pense que le montage va être très rapide, par exemple, alors que lui, il sur-ralentit les actions. Et donc du coup, alors que d'autres réalisateurs typiques de films policiers vont mettre de l'attention parce qu'il y a un plan par seconde et parce qu'il y a un montage très rapide, lui, il va faire durer le plan. Les tueurs, avant de frapper à la porte, vont se parler d'un truc et on dirait « Est-ce que ça a mangé au McDo hier ?» Et donc, du coup, la tension vient de la lenteur. C'était intéressant comment il disait dans quel état est le spectateur au bout de 5 minutes du film, au bout de 10 minutes du film, au bout de... Et d'une certaine façon, il ne sait pas dans quel film il est. Dans Pulp Fiction, il retarde le moment d'identification du genre filmique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est. On ne sait pas si on est dans de la BD, on ne sait pas si on est dans du film policier, on ne sait pas si on est dans du manga, dans du film d'horreur. Et il y a un métissage des genres. Et du coup, moi, je fais un peu pareil, là. C'est-à-dire que je flirte avec la romantique comédie, avec le film policier à un moment, avec le film politique, avec la comédie, la franche comédie, la comédie sociale à l'anglaise. Donc, je trouve que c'est en naviguant entre différents genres filmiques qu'on fabrique quelque chose qui va mettre mal à l'aise le spectateur et qui va faire qu'on est moderne, je dirais, parce que c'est... Je trouve que la musique évolue beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a le jazz, après il y a le jazz rock, ensuite il y a le mélange avec la techno, il y a le trip-hop. Et je trouve que la musique intègre assez facilement le métissage musical et qu'on a toujours peur de ça, parce que les cases sont très très fortes dans le cinéma. Donc on vous dit, est-ce que c'est une comédie ou est-ce que c'est... les critiques ont besoin de savoir où ils casent le truc. Voilà. Et donc, moi, je trouve que très souvent, on modernise le cinéma quand on est entre deux cases, par exemple. Alors, je vous encourage à aller voir le film. On conclut? Question pour terminer? Oui? Profitez-en maintenant, là, ça ne se représentera pas là, tout de suite. Là. Même si on n'a pas encore vu le film, étant donné que c'est un film, un scénario, une histoire qui concerne l'actualité. Ouais. Est-ce que vous avez pu vous permettre autant d'improvisation, autant de jeter le scénario, ou ça vous a demandé plus de construction, d'écriture? Non, oui, là, c'était beaucoup plus construit, parce que comme je parle de la finance, je ne pouvais pas improviser là-dessus. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Une des difficultés pour moi, c'était de fabriquer du comique avec un truc qui n'est super pas drôle. C'est à la fois dans ce que ça fabrique, parce que ça fabrique du drame, et à la fois, quand vous parlez avec un trader ou un banquier ou un financier de finance, il n'y a rien de drôle. Sérieux, parler d'obligations, d'actions, de... donc ça c'était compliqué ça, et ça c'était très mécanique, donc ça c'était une des complexités du scénario. Par contre, disons que
celle qui porte l'improvisation, c'est Karine Viard. Il y a des fois où je lui dis, OK, vas-y, il y a deux scènes qui sont totalement improvisées avec Karine Viard. Et il y a une scène à la fin, si vous voyez le film, où elle, elle fait semblant d'être une call girl russe. Il y a toute une partie qui est écrite par moi. Et en fait, je n'ai gardé que ce qu'elle a improvisé. Donc, j'ai vu à quel point ce qu'elle a improvisé était beaucoup plus drôle que ce que j'avais écrit. Donc, dans ces cas-là, je laisse faire. Je n'ai pas d'ego. Et donc, ce qu'elle a inventé est beaucoup plus drôle parce que c'est beaucoup plus farfelu que ce que j'ai écrit. Et donc là, c'est de l'improvisation. Alors, non, pas au niveau de la structure, mais par contre, c'est quand même plus complexe que ce que je vous dis. Parce que il y a une scène, par exemple, chez les traders, où il y a deux façons de faire cette scène-là. Tourner chez les traders, soit vous reconstituez une fausse salle des marchés, et en général, c'est un open space avec 500 personnes, donc ça vous coûte très cher en figurant. Soit, comme je l'ai fait, parce que dans Wall Street, par exemple, dans le Wall Street 2, il y a un plan qui est un peu proche de ce que j'ai fait moi, mais sauf que tout le monde est figurant, c'est à la hollywoodienne, et donc tout le monde reconstitue un faux poste de travail derrière un ordi, tout ça. Là, moi, j'étais dans une vraie salle de marché. On me permet de faire ma scène avec deux acteurs au milieu de 500 personnes qui travaillent derrière des ordinateurs et qui sont réellement... Les gens travaillent pour vrai, là. Pour vrai, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en train de faire des transactions. Et il y a une scène que j'ai commencé à écrire, mais je suis obligé de dire à Kevin Bishop, qui joue le frère de anglais dans l'auberge espagnole, voilà, vous vous engueulez sur un prix. Donc moi, j'écris un début de scénario, un début de dialogue où l'un dit 37 et l'autre dit non, 37, ça ne va pas. Et il s'engueule sur le fait que 37, il a vendu le machin à pas assez cher et il s'engueule là-dessus. Donc il y a un début de dialogue qui m'est donné par un trader parce qu'il faut que ce soit cohérent par rapport à un langage de trader. Et la fin du dialogue, elle est inventée entre un acteur et un vrai trader. Et il y a un moment, ils sont entourés par 500 personnes qui font des vraies transactions. Donc il y a des fois où les gens gueulent parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs transactions. Et du coup, la tension de la scène, elle est liée à un truc où là, on ne sait plus du tout si on est dans du documentaire ou de la fiction. C'est un mélange entre des gens qui savent ce qu'ils racontent, des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils racontent. Et donc, c'est un degré de dinguerie. Donc, ça, c'est une drôle de scène, ça. Parce que ça, c'est pas loin de chacun cherche son chat dans un milieu qui n'est pas les SDF dans la rue, quoi. Quand on parle d'improvisation, parce qu'improviser une scène, c'est une chose. Improviser un film, c'est autre chose. Chacun cherche son chat. On dirait que c'est un film qui s'est improvisé, qui s'est écrit en le tournant, si j'ai bien compris. Ouais. Par contre, un film comme L'Auberge espagnole, qui a quand même une trame, dans mon souvenir, là, je ne l'ai pas vu récemment, mais qui a quand même une trame claire avec une intrigue, avec lui... Qui va mourir étouffé s'il ne sort pas du cadre dans lequel on a commencé à le diriger. Ouais. Ça, vous le saviez dès le départ. Là. Vous n'avez pas dit, ah, tiens, je vais caster des acteurs. Non, ça, je l'ai fait dès le départ. Mais par contre, tout ce que j'invente est beaucoup à Barcelone, dans cet appartement, parce que c'est lié à la personnalité de chacun et au choc des cultures. Moi, il y a un moment, ça me fait marrer, parce que le mec allemand, il dit, je vais acheter du vrai pain. Et puis, il y a l'espagnol qui dit, ça veut dire quoi, du vrai pain? Il dit, c'est du pain noir. Il dit, c'est pas du vrai pain, le pain noir. Bon, ben, moi, le lendemain, c'est dans le film, ça. C'est au niveau des dialogues, des situations où je sais que la tension scénaristique est liée, enfin, la structure du scénario, c'est son père lui propose de rencontrer son copain qui lui dit, va en Espagne faire de l'écho, parce que comme ça, tu auras un poste au ministère des Finances. Il va en Espagne pour avoir le poste au ministère des Finances. Il revient d'Espagne et tout ce qu'il a vécu en Espagne lui interdit de rester deux secondes dans ce bureau du ministère des Finances. Donc, moi, je sais que tout ce qui est farfelu, tout ce qui est du côté de la vie, du côté de se bourrer la gueule, du côté de courir dans la rue et d'avoir des expériences super bizarres avec les gens, nourrissent la minute qui passe dans le bureau dans le ministère des Finances à la fin, et c'est ça qui le fait courir, quoi. Donc moi, je sais que ma nourriture structurelle scénaristique, c'est ça. Et donc là, du coup, le cœur du film, j'ai le droit d'inventer ce que je veux. Vous savez pas d'avance que le frère qu'on aime pas anglais, on va finir par l'aimer parce qu'il va, ouais, il va sauver sa sœur. Tout ça, c'est disons que c'est improvisé à l'écriture. C'est qu'il y a un moment, même, je n'avais pas cette scène de
de la fin, et je sais qu'il manque une scène où ils participent tous. Je me dis, il faut un climax, là je reprends vraiment des techniques d'écriture, et je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose qui rassemble tous ces gens qui sont dans cet appartement. Et je me dis, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'ils se rassemblent derrière un mensonge, et que ça les énerve tous que cette Anglaise sorte avec un Américain. Et que là, je me suis dit, alors je pars d'un truc qui est assez intellectuel, je me dis finalement, ce qui va énerver ces gens européens, c'est que cette fille anglaise sorte avec un Américain et qu'ils ont envie, ce qui va définir un peu leur identité européenne, c'est qu'ils ne veulent pas qu'elle sorte avec cet Américain et que du coup, ils vont essayer de sauver le fait qu'il y a son copain anglais qui arrive et tout ça. Donc, je pars de ce truc très symbolique qui rapproche ces Européens entre eux et qu'ils ont envie de, voilà, de combattre l'Américain. On me fait signe que c'est terminé. Une dernière on a le temps pour une dernière, ouais. Mmh. Micro, debout, micro. Ok, pardon. Vous dites que vous aviez peur d'écrire avant, puis que finalement vous aviez appris avec des scénaristes professionnels, et aujourd'hui vous écrivez comment, finalement? En fait, je crois que j'ai appris à écrire en pensant à ce que les acteurs devaient faire. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, quand j'ai écrit Rien du tout, mon premier long-métrage, la veille du casting, je me disais, bon, alors pour tel personnage, il faut que je sorte le texte le plus marquant de tel personnage. Donc je cherchais un dialogue pour lui donner une page et pour qu'il puisse jouer la page au casting. Et du coup, je me disais, ouais, mais alors là, c'est... Et du coup, je réécrivais la scène parce que je me disais, j'étais pas content du dialogue. Et en fait, très souvent, je me suis habitué à faire ça, c'est-à-dire que je réécris la scène. Et la bonne scène, c'est celle que j'écris pour le casting. C'est-à-dire que quand j'imagine que quelqu'un va avoir ce texte dans les mains et qu'il y a quelque chose à jouer, quoi. Donc, c'est ça qui m'a appris à écrire, en fait. C'est que, au fond, un scénario, c'est la nourriture à acteur. C'est pour l'acteur qu'on écrit un scénario. Et très souvent, le problème, d'ailleurs, des scénaristes, qui très souvent sont des romanciers ou des gens qui sont liés à l'écriture, c'est qu'ils écrivent pour écrire et qu'ils n'écrivent pas pour jouer, pour que deux personnes soient en face de l'autre et qu'il y ait quelque chose à jouer. Matière et réflexion. On a des scénaristes en ce moment qui sont justement en train de bosser sur leur scénario, sont dans les premières étapes. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ça, tout ça, ça, ça c'est vrai que moi, souvent, quand je vois des apprentis scénaristes, quand je vois la première phrase « Le vent soufflait sur la demeure de Madame Machin qui était si triste et elle écoutait un air », c'est-à-dire que tout ça n'est pas filmable. Donc, la seule truc à filmer, c'est une vieille dame assise, la sonnette de la porte sonne, quelqu'un entre et... Enfin, je veux dire, c'est une suite d'actions. C'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à écrire sec, quoi, à écrire des choses qui ne sont pas littéraires, pas belles, pas... Moi, je sais que Santiago Amigorena, qui était donc le deuxième scénariste avec qui j'ai travaillé, il me disait qu'il faut écrire sec. Et j'ai toujours gardé cette phrase en tête sur le fait que... aussi, il faut décrire ce qu'un aveugle voit dans le film. C'est-à-dire que si on décrit un aveugle, on lui dit, voilà, là, il est sur le balcon, un taxi arrive, il sort du balcon, il voit sa sœur, il lui dit, on va pas pleurer, il se met à pleurer. C'est ça, la scène. J'ai pas envie qu'on se dise au revoir en pleurant, il se met à pleurer, elle le conduit jusqu'à la porte. C'est comme ça qu'il faut l'écrire, cette scène. Et à la fin, ils se disent merci, et elle dit merci aussi. Et après on remplit ça. Parce qu'en plus, alors c'est ça qui est fou, c'est que moi j'avais travaillé dans l'atelier d'acteurs que j'avais fait, j'avais travaillé sur la première scène de Harold Pinter, c'était l'amant de Harold Pinter. Et la première phrase, c'est ton amant vient aujourd'hui. Cette phrase-là, quand vous la faites jouer à des acteurs, vous pouvez le faire jouer de 1 milliard de façons différentes, cette phrase-là. Elle peut être drôle, elle peut être horrible, elle peut être tragique, elle peut... Enfin, ton amant vient aujourd'hui, ce truc-là, vous pouvez le jouer de... Donc, faut faire confiance au fait que quelque chose de très bref peut devenir un univers ensuite pour un acteur, quoi. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est l'acteur, quoi. Sur ces paroles,
Merci énormément. Monsieur Clapiche. Merci. C'est super génial.